Cameroon Armed Forces today? The woman has a lot of role to play as far as the Cameroon Defense Forces is concerned. The leitmotif of all of the Commander-in-Chief of the Armed Forces is to give equal opportunity for every other one. And you know, the Cameroon Defense Forces is the bedrock of a cultural and linguistic identity. So you, when the troop will march past, most especially the troop on foot, you see a lot of women, and some of them are commanding the squares. And they hold strategic post of responsibility, which I can't cite because it's inexhaustive. And it has gone a long way to ameliorate the working and living condition of the Cameroon Defense Forces. So women are caught throughout the strata or the command chain of the Cameroon Defense Forces. If you're just joining us, you are onto the Cameroon Radio Television, the CRTV. We are just about 10 minutes to midday, and any moment from now, we should be getting indications from our team there, Ibrahim Sharif, because we're still here at the boulevard, and almost all of the arrivals have been concluded. The last person to arrive here, we saw a moment ago, was the president of the Senate, who was preceded by his counterpart of the National Assembly, Dr. Nafsel Nyad Jifenji and Kavaye Gejibril, who are all seated at the Prince Main Tribune here in the Ministre de la Défense de l'Union des Comores, Monsieur Youssoufa Mohamed Ali, qui représente le président Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, le président Azali Assoumani, qui a séjourné au Cameroun pendant la CAN 2021, c'est-à-dire en janvier-février 2022, vous vous en souvenez. Donc, qui est représenté ici au boulevard du 20 mai, en ce 20 mai 2023, par son ministre de la Défense, arrivé hier ici à Yaoundé, M. Youssoufa Mohamed Ali. Et peut-être que nous allons faire un tour du côté de l'esplanade du Palais de l'Unité pour rejoindre Yves-Marc Medjo et... Eh bien, merci Ibrahim Sherif, merci Ben Meno Poupon. Bienvenue à nouveau ici au Palais de l'Unité. Nous sommes rendus à 11h52 et dans un tout petit moment, les grilles du palais présidentiel vont s'ouvrir pour voir sortir son illustre occupant, le président de la République, donc en route dans quelques instants pour la grande communion avec le peuple camerounais au boulevard du 20 mai. Ici, le décor est définitivement planté. Toute l'escorte d'honneur et de sécurité a pris position. On a également les membres de l'état-major mixte qui sont au grand complet. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre que les grilles de ce palais présidentiel, qui n'a pas pris une seule ride depuis toutes ces années, s'ouvrent pour voir en sortir donc le président de la République pour cette grande parade au boulevard éponyme Machinite. Thank you very much, Yves-Marc Medjo, ladies and gentlemen. All is set for the illustrious tenants of the Tudi Palace to leave the giant gates that you can see in the pictures. I guess at this particular moment will be flung open any moment soon. And of course, President Paul Biya will be conveyed to the 20th May Boulevard. For those who have the habit of watching the president pass along the itinerary, just to indicate that we are going to drive past Carrefour Febe, and then of course the Bastos roundabout, we would drive along the road adjacent or at the foot of the Palais de Congrès, that is the conference center, they call it the Boulevard Jean Paul Day. We will get to Carrefour Chinga, Nouvelle Route Bastos, we will drive behind the radio house, we'll get up to the multipurpose sports center at Wada, and of course the Wada, the famous Wada roundabout, where we will be met by a 60 horse squadron of the Presidential Guard, and then slowly and gradually we will drive into the 20th May Boulevard, where President Paul Biya is expected to at from quarter past. And of course, you can get the sirens, the background, Yves-Marc Medjo. That is an indication that President Paul Biya is already ready to leave the Unity Palace. Tout à fait, Achouyati. C'est des signes qui ne trompent pas. Dans un tout petit moment, le président de la République va donc quitter le palais présidentiel. Au moment où même, vous voyez comme en même temps que nous, les grilles du palais présidentiel viennent donc de s'ouvrir. Le président de la République qui va donc quitter ce palais présidentiel où règne une atmosphère de grande fraternité.
depuis les premières heures de cette matinée particulière du samedi 20 mai 2023, qui a été l'esplanade du palais présidentiel, a été prise d'assaut depuis les premières heures de cette journée, donc, pour ce jour événement. Eh bien, nous venons définitivement de prendre la route du boulevard du 20 mai. Dans quelques minutes, le président de la République, Paul Biya, va se mêler à son peuple, le peuple camerounais qui est déjà mêlé à son armée. C'est le centre de gravité de cette journée, je l'ai dit. C'est une belle fusion que nous nous apprêtons à vivre, une belle fusion dont vous serez les témoins. Definitely a wonderful communion between the head of state and his people. The theme of this year's National Day, the armed forces and the nation together for peace, for development. And of course, we can always extrapolate because the themes always revolve around that area, issues of peace, issues of development and national unity. We expect to get to the 20th May Boulevard in about a quarter of an hour, that is about 15 minutes. We are going to drive past the different neighborhoods that I indicated in my earlier intervention. You can get the sirens in the background. We are moving slowly and out of the main entrance into the Unity Palace. The first point we're going to get to will be the Febe neighborhood, that, you know, magnificent structure that has just been erected in front of the entrance into Unity Palace. Comment ne pas se laisser émerveiller? Comment ne pas se laisser émerveiller, Achouyenti, par ce beau spectacle de sirènes, comme tout à l'heure, le beau spectacle de chants et de danse, un spectacle de tableaux animés qui enchante littéralement. Le cortège présidentiel enchante, il fascine grands et petits. C'est un spectacle ultra festif que nous vivons le long de cet itinéraire, alors que dans quelques instants, nous allons rejoindre le carrefour qui conduit à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, un carrefour où a été érigé il y a quelques années un monument, symbole de l'unité du pays, symbole de celui qui l'incarne, le président de la République, Paul Biya. Une demi-douzaine de minutes, c'est le temps qu'il nous faudra sans doute pour rallier le boulevard du 20 mai ce samedi. Les rues de Yaoundé sont calmes par endroits et naturellement très animées à d'autres. Elles sont surtout propres et bien pavoisées. Un clin d'œil naturellement à ceux qui y ont travaillé. Les rues de la capitale sont garnies de drapeaux, des drapeaux de notre pays, hissés ou suspendus sur toutes les façades et pas seulement sur l'axe principal. Even though where we are, if Mark Mejo, after the Febe roundabout, the very sparsely populated area, but the national flag is floating. Various copies of the flag are floating in the wind, an indication of this day. A day that is known to almost every Cameroonian like a nursery rhyme. This day in 1972, there was, a referendum that brought the federal structure to an end and, of course, instituted the unity state in Cameroon. Cameroon henceforth became a unitary state. And of course, that is the 52nd edition or 51st edition of what we are commemorating and celebrating today. We are driving now. Very soon, we will get to the Bastos roundabout. It's a popular roundabout that drives off to the American embassy. For those who know Yaoundé very well, you can see one or two persons gathered by the roadside waiting for the presidential car to drive up to that level for them to begin to, you know, hail it and salute the president as he goes to preside the National Day of Cameroon, the military parade, and of course the civilian march are passed. At this juncture, we are driving pretty fast. We are moving into the boulevard, John Paul II Boulevard. Le président de la République qui est donc parti du palais de l'unité, vous l'avez vu depuis quelques instants, qui va arriver ici au boulevard du 20 mai d'un moment à l'autre, dans quelques minutes certainement. Le chef de l'État qui va arriver ici et sous très très grande escorte.
colonel Latonfak. Est à vous dans un petit moment. Eh bien, de part et d'autre, les forces de défense et de sécurité sont parées pour s'attaquer à toutes les conditions. Thank you very much, Yves-Marc Mejo and Ashu Nyenti. We've just lost your sound there. Just time for your technician to get a few things in order and for us to come back here to continue viewing the presidential motorcade as it makes its drive from the Unity Palace, a palace named after this day, you must understand, symbolically named it Unity Palace because of the National Unity Day that we are celebrating today. And it is a parade right here at the 20th May Boulevard, still named after the same day, according to historians, to mark this the break from the federal system to the unitary state, as was announced to the nation, the Federated States of that time, by President Ahmadu Ahidjo. And that was exactly on the 6th of May 1972 when he told Parliament that he has decided to put an end to the federal structure and to give a new identity to Cameroon, that of a united republic, united, one, strong, and indivisible. And at that state, that of 1972, that has been continuing up to today, 51 years after, it is still holding strong and leaving its mark on Africa. Le cortège présidentiel va à vive allure, qui sera dans les minutes qui suivent au niveau du boulevard du 20 mai, et il arrivera au boulevard du 20 mai en grande pompe. Colonel Latonfak. Oui, tout à fait, Ibrahim. C'est l'occasion de dire un mot sur la garde présidentielle qui, justement, est responsable de ce cortège. C'est une unité spéciale qui a deux grandes catégories de missions. Les missions d'honneur et de parade et les missions de combat. Aujourd'hui, justement, il ne s'agit pas des missions de combat. Il s'agit de missions d'honneur et de parade. C'est la participation aux escortes présidentielles. C'est les honneurs au chef de l'État et à ses hôtes. Et c'est la participation à certaines cérémonies officielles pour enrosser l'éclat et la solennité. Quoi de mieux, donc, que la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai de chaque année, avec cette présence grandiloquente de la garde présidentielle qui assure non seulement le côté escorte mais aussi le côté cérémonial et cérémoniel, et qui est là avec sa fanfare, qui est là avec sa cavalerie, on en reparlera, bref, qui a mis les petits plats dans les grands pour donner à cette fête toute la solennité requise, au moins pour ce qui dépend d'elle. Et nous, à la CRTV, nous avons décidé d'en mettre plein la vue à nos amis téléspectateurs. Ils verront tout et tout de ce défilé ici au boulevard du 20 mai. Les équipes sont mobilisées sous la supervision du directeur général Charles Ndongo, qui aurait pu être installé à la tribune. Mais il est dans ses troupes, il observe et conduit véritablement ses troupes également ici au boulevard du 20 mai. Like a good et team captain. Absolument, c'est le capitaine de l'équipe et les choses se passent comme elles doivent se passer. Colonel Atanfak, alors nous avons là une très belle vue de Yaoundé. Ce sont des drones de la CRTV, c'est pour ça que nous avons dit que nous vous en mettrons plein la vue. Et c'est effectivement cela. Le président de la République, lui, va être au boulevard d'une minute à l'autre. Et arriver donc en grande pompe. Et puis après, ce seront les honneurs. Et les honneurs après, coup d'envoi du défilé. Ben Poufon. Now, Lieutenant Emmanuel Tata, tell me, a moment ago, our reporters posted at the place planet of the Unity Palace gave us the size and the decoration, the description of the motorcade that is leading the president to the ceremonial ground. What insights can you give viewers once that motorcade will be perceived on the screen there? What reading do we make of those motorcades? Are they of various sizes? And what are their meanings? Let's roughly say it's a type 1 honor given, reserved only for the head of state. Exactly, reserved for the commander in chief of the armed forces. As our state correspondents earlier mentioned, we'll be having about 26 motorcades and 60 horses. You see, it's an honor for the head of state, and the military pays a lot of attention. The colonel earlier mentioned that the presidential guard, which is concerned with this honor, apart from combat, today is a day for parade. So they are doing everything possible to accompany the head of state. We will be expecting any moment at the 20th May Boulevard. Okay, and you say they're going to be joined by the cavalry. Exactly. And what is the role of the cavalry in all of that? The cavalry has to do with honors.
it's a squadron on its own. It helps to decorate or events like this, and also attend to the visitors of the head of state. It gives a decor. It's a sign of nobility, honor. Exactly. Right? That's the reason why it's reserved for the head of state. Et voici donc cette solennité, ces honneurs là du type A, qui ont commencé avec et la cavalerie et les motards. Oui, Ibrahim, il faut dire qu'avec cette cavalerie, la GP a accompli jusqu'à là un exploit inédit. Parce que si au tout début, ces chevaux étaient des chevaux de race importée, depuis plus de 20 ans, la GP a développé la capacité et la maîtrise de la reproduction, de l'entraînement, de l'encadrement et du suivi vétérinaire. Donc, c'est des chevaux de race camerounaise que nous voyons. Désormais, oui, c'est des chevaux camerounais croisés à la garde présidentielle, dans les écuries de la garde présidentielle, reproduits dans les écuries, entretenus et soignés par la garde présidentielle. Avec ça, c'est un véritable exploit. Et il faut dire que la garde présidentielle compte à date, depuis qu'elle a maîtrisé le cycle de la reproduction, elle compte à date plus d'une dizaine de reproductions in situ à Yaoundé, au Cameroun, et le suivi vétérinaire est absolument parfait. La garde présidentielle ambitionne aussi de faire monter en puissance cette cellule de reproduction qui va permettre de mieux maîtriser les paramètres du cheval, âge et comportement, et en réalité finir par de bonnes sélections pour avoir peut-être, qui sait, demain des chevaux vraiment de race pure. Le boulevard du 20 mai 1972 qui accueille le président de la République, le chef de l'État, chef des armées, qui va présider dans quelques instants la grande parade militaire et civile. Ici donc au boulevard, célébration de l'an 51 de l'avènement de l'État unitaire du Cameroun. Ben Pouffon. Lieutenant Imanota, tell me, when we look at these horses, they are quite captivating. And I want to ask you, do we just take any type of horse and put them to be performing such feats, or these are horses of a special breed? That's the reason why there's a squadron on its own, and it has professionals who have been trained abroad. That's Cameroonian. They came back, they trained the personnel who are concerned with it. And I must say this squadron, that's the cavalry squadron, is located in the neighborhood of Melen, not far from Kanyeyap. And those who are managing the horses, they communicate directly with the horses. And are they homebred horses? The Kenner and rightly said, it's a mixed breed. But everything, that's the process, was being done in Cameroon. So it's thanks to our professionals who did the job and they came back to apply it to the squadron of Presidential Guard. And there goes the impressive and very, very grandiose march of the presidential motorcade into this May 20 boulevard. It has just gone past the Patriot Monument, which is yet another symbolism of love for country, constructed by the Yaoundé City Council just a couple of before by this time last year. And it is adding to the color that Yaoundé, the grandeur and of course the beauty that Yaoundé has been receiving all of those time. And I should say that particular I Love My Country Patriot Monument, we have been told that if the route, the urban section of the Yaoundé Simalen motorway gets to being, by the time it gets here, we may have the misprivilege of losing this beautiful work of architecture, because a flyover will be constructed at this very point where you find this splendid I Love My Country Cameroon monument. Le cortège présidentiel qui va s'immobiliser d'un moment à l'autre et laisser ainsi apparaître le président de la République, le chef de l'État, chef des armées, ici au boulevard du 20 mai, la fête, la 51e édition de la fête nationale, la fête de l'unité, qui va se dérouler sous le thème « Force de défense et peuple camerounais ». En symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Commandant des troupes, général de brigade, Bouba de Boukrio. Yes, the 2023 National Day celebration with a rather revealing theme, defense forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity.
bedrock of a strong and prosperous Cameroon. It is the theme under which this 2023 edition of the Feast of the Unity of Cameroon is being commemorated, putting the nation and the people always at the forefront. And the troops that will be parading past here are being commanded, will be commanded today by Brigadier General Buba Dobekreyo, who will be assisted for that matter by Colonel Mengada Bella Inyas Walter. And they will have the privilege of leading all of these troops, those on mounted as well as those on foot, as they will be parading past the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the President of the Republic, whose motorcade is already slowing down for things to begin. Alors, ça se passe sur le boulevard, ça se passe également dans les airs, Colonel Atonfak. L'armée, ou les armées, ont mis les petits plats dans les grands. Oui, ici, c'est une démonstration de la maîtrise des trois éléments, la mer, la terre, et puis la dimension aérienne. Aujourd'hui, rien ne peut plus se faire sans la maîtrise de la dimension aérienne, une maîtrise militaire, mais aussi accompagnée d'une maîtrise civile. Le 20 mai aussi, c'est une parade, mais c'est aussi une démonstration du savoir-faire des forces de défense camerounaises. Et je crois que c'est ce que nous vivons exactement en ce moment. Nous vivons donc l'arrivée du chef de l'État au boulevard du 20 mai et d'un moment à l'autre, ce sera l'hymne national de la République du Cameroun. Le chef de l'État au boulevard du 20 mai et l'hymne national. National de la République du Cameroun, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et la revue des troupes qui va donc commencer. Oui, tout à fait, Ibrahim. Il faut peut-être insister sur le chef de l'État qui s'incline devant le drapeau national. Cette allégeance-là que la première personnalité fait au drapeau, en réalité, il l'a fait à la patrie. Et la patrie, pour nous, c'est quoi? C'est la terre façonnée par l'histoire. C'est le fruit de la continuité de notre histoire sur un territoire. Et pour le Cameroun, c'est le lait de nos pères. C'est un patrimoine hérité. C'est une propriété indivise de la communauté nationale. Et que nous devons défendre à tout prix. La patrie est pour nous, les militaires, la plus haute valeur de l'ordre temporel. La revue des troupes. Du président de la République, le chef des armées. President, the commander-in-chief of the armed forces, reviewing the troops that have mounted here. And he is on board the presidential limousine. And Lieutenant Emmanuel Tata Oluwa, tell me, what is the strength of the troops that have been deployed here that the presidential motorcade is already reviewing? What is this troop made up of? The troop runs right up to the roundabout of the post. It's made up of the National Gendarmerie, the Army, the Air Force, the Navy,
the police, the penitentiary, and the customs department. So the head of state, as the commander-in-chief of these forces, is this guard of honor that has been mounted for his honor, and he's reviewing the troop right up to the roundabout of the post. And he is not only reviewing the troop, but he's going to meet Cameroonians who are waiting for him down there to cheer him and hail him and say, Happy National Day, Mr. President. And what does reviewing the troop represent in military tradition? When you review the troop, what does that represent? First of all, the troop has that dedication to the state. And the head of state is reviewing this troop, those people who stand the test of time, those brave men of honor who stand the test of time to protect the territorial integrity of the nation. He just bowed to the flag. The flag represents the nation and it represents the unity of the people. And who are those protecting it? Are this the guard of honor mounted for his honor? Alors, Colonel Davant, à ton fac, pendant que la revue des troupes par le président de la République se poursuit, faudrait peut-être insister sur le nombre. Combien de défilants ici aujourd'hui? Non, ça va être compliqué de vous donner le nombre parce qu'en réalité, c'est le lien armée-nation. C'est à la fois des défilants militaires et des défilants civils. Autant au côté militaire, c'est réglementé, carré, subdivisé. Autant côté civil, ça va être difficile parce qu'on fait appel au côté patriotique. C'est les cœurs qui parlent et on a un mal fou à maîtriser le nombre. Par contre, je voudrais que vous nous permettiez de faire un peu d'histoire ici et de dire que ce n'est pas d'hier que les empires et les nations exhibent publiquement leur puissance lors des grandes parades qui célèbrent la fierté et la force nationale. Déjà sous l'Empire romain Ibrahim, les généraux qui avaient mené et remporté d'importantes campagnes militaires étaient autorisés à défiler à la tête de leurs troupes dans les rues de Rome lors des cérémonies appelées triomphes. Si on revient à la République moderne, temps contemporain, il faut dire que la République, toutes les républiques prospèrent sous la protection de l'épée et donc des armes de la République. Absolument. Et par conséquent, la République prospère sous la protection de ceux qui portent l'épée, les armes pour défendre la République. C'est parce que le drapeau est le symbole le plus visible, le plus marqué de cette République que le chef de l'État commence par s'incliner devant le drapeau avant de procéder à la revue. Donc, fête nationale, honneur militaire et tout ce qui va avec, mais surtout démonstration de force. Parce qu'il s'agit en fait de ça, dire aux gens, nous existons et nous allons continuer à exister. Au-delà de la démonstration de force, je voudrais plutôt parler de la démonstration des capacités. En réalité, le Cameroun parle au monde et le Cameroun dit j'existe, je suis une république organisée, j'ai les moyens de me défendre, j'ai les moyens au-delà de me défendre de porter secours. J'ai les moyens de porter secours dans mon voisinage immédiat, j'ai les moyens de porter secours au loin. Ça fait plus de 30 ans, il vous souviendra, que le Cameroun participe aux opérations de maintien ou de rétablissement de la paix à travers le monde. Avec et dans les poteaux. Excellente réputation. Profitons de ça pour dire que nous abritons désormais un centre de référence des Nations Unies pour le conditionnement des troupes qui vont être déployées dans le maintien de la paix. Un centre à vocation internationale se trouve dans la région de Djoum, le centre préconditionnement aux opérations de maintien de la paix dans la garnison de Djoum. C'est un Cameroun qui se spécialise un peu dans la formation, hein, tous azimuts, des hommes en tenue. Au-delà, c'est un Cameroun qui croit en l'humanisme et en l'humanité. C'est un Cameroun qui croit en la paix. C'est un Cameroun qui investit dans la solidarité nationale, sous-régionale, régionale et internationale. C'est un Cameroun qui pense pouvoir apporter sa pierre à la construction, à l'édification d'un monde de paix. Le chef de l'État qui va regagner la tribune d'honneur tout à l'heure pour donner le coup d'envoi de ce qui va être la grande parade de ce 20 mai 2023 ici, au boulevard du 20 mai justement, à Yaoundé Ben Poufon. Et pendant ce temps, dans les régions aussi, ça se passe comme ça. Exactly. All the 10 regional capitals and even in the hinterlands, there are similar events. Some have already ended, others are still starting like the ones here. And as the President of the Republic makes his way back after reviewing the troops, Lieutenant Emmanuel Tata Uloa, tell me, what is the place of March Pass?
in the military tradition. When you march on foot and you march in, on board your vehicles, and you what are you demonstrating? Is it a demonstration of force, or just a measure, just want to impress the public? Not actually. We are bringing a strategic level. That's at the level of the field. We bring it down to town, because you see the different components represents the different categories of intervention when it concerns maybe public order or handling a crisis situation. That's the reason why, first of all, the march pass is comprised of three categories. That's the fly pass. The fly pass, that's it surveys the environment and the soldiers on foot. That's just a combat setting. Okay. Then closely followed by the soldiers on foot, we have the motorized and mounted march pass. It is just a combat setting. So bringing it down to town and showcasing to the population to celebrate a historic event like this, it's really worth applauding. So it's just a representation of our different operations on the field. Yes, and the President of the Republic, now coming back to the main grandstand here, he who is an incarnation of not only the unity and indivisibility of the nation, but who incarnates all the state institutions. And that is why he comes out here on this day, together with the armed forces, to tell this nation that Cameroon has its place on the on world map, and that in terms of military know-how, in terms of military hardware, Cameroon too has a say in all of that. And that is why, like the colonel was saying a moment ago, Cameroon is now regularly being very, very present in peacekeeping missions inside the country and outside the country. Cameroonian members of the Cameroonian Defense Force, we know they have been in peacekeeping operations way back in the early 90s in Kosovo and all over the world, and now in Africa, they are in the CRA, the Central African Republic, and Congo. Revue des troupes terminée, le président de la République qui va gagner la tribune, qui salue les invités, les corps constitués national, corps diplomatique et tout ce qui se retrouve au niveau de la tribune principale. Ici, le chef de l'État qui va prendre place avec à ses côtés la première dame, Madame Chantal Biya, poignée de main au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil économique et social et au premier président de la Cour suprême, et également au ministre de la délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Et honneur, ou à tout seigneur, tout honneur, colonel, c'est la compagnie de musique égyptienne. Oui, juste un mot avant d'arriver à cette compagnie de musique égyptienne, c'est sur la respectabilité que le monde entier accorde au président Paul Biya, qui aujourd'hui n'est plus un patrimoine camerounais. Le président Paul Biya, c'est devenu un patrimoine africain, c'est un patrimoine mondial. Il faut dire que malgré le caractère compétitif de la sélection, le Cameroun a été retenu pour abriter la base logistique continentale de la force africaine en attente. C'est un crédit à mettre sur l'efficacité de notre diplomatie, mais c'est un crédit surtout à mettre sur le côté visionnaire du chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya. Et voici donc la compagnie musique égyptienne au boulevard du 20 mai, en grandeur nature. Alors, comment ça s'explique que cet honneur là soit réservé ainsi aux troupes égyptiennes? C'est justement un pays ami, comme il est de tradition dans les célébrations du 20 mai au Cameroun. C'est aussi surtout la marque de l'ouverture et de la diversification de nos partenariats. Nous en avons parlé tantôt. Je voudrais dire, pour gratifier nos téléspectateurs, donner cette exclusivité CRTV, Division de la Communication au ministère de la Défense, que entre autres thèmes qui seront interprétés, il y aura une allusion au Golden Sounds, les Angalois, mais aussi il y aura une allusion mémorielle à Manu Dibango. L'Égypte, un pays venu de si loin, qui vient au boulevard du 20 mai devant le chef de l'État à l'occasion de la 51e édition de la Fête de l'Unité, interprété Zangalewa Manu Dibango, entre autres rythmes du patrimoine musical militaire égyptien. That is the entry of the music department of the Egyptian Armed Forces, special guests at this event, and they've come to add to the color or pomp and color of the 2023 May 20. Let's honor, listen to that. Honor véritablement nos invités.
voyez exceptionnellement cette année Ibrahim Chérif Ben de deux carrousels. Le premier carrousel spécial est justement ce carrousel en l'honneur du chef de l'État, le carrousel égyptien, qui durera un peu plus de temps que d'habitude parce qu'il faut rendre honneur à ce pays. Et puis après, nous aurons notre habituel carrousel. Après, on aura le carrousel, notre carrousel traditionnel, exécuté cette année par la gendarmerie nationale parce qu'il s'agit d'un carrousel tournant entre nos différentes armes et nos différents corps. Donnons-nous la peine d'écouter et de regarder ce carrousel égyptien. Ça va. Alors des sonorités bien orientales, on le voit, mais qui tout à l'heure peut-être vont permettre aux sonorités locales de s'imbriquer avec ces sonorités orientales justement pour faire la beauté du spectacle que nous vivons tout à l'heure au boulevard du 20 mai ici avec cette fanfare, cette compagnie musique égyptienne.
C'est en soi déjà exceptionnel que l'Égypte fasse partie de des célébrations de cette 50e fête, mais aussi qu'ils aient envoyé cette fanfare. C'est plutôt encore original, parce que d'habitude, on a des troupes, des commandos, des paracommandos, des finances. Des sonorités camerounaises bien interprétées par ces hommes venus de l'Orient. Zangalewa, Golden Sounds. Ça parle aux militaires camerounais. Chanson qui allait au-delà de nos frontières. Absolument. Et qui a été interprétée, réécrite pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Absolument. Mamou Dibango, en mémoire. Soulman Kosa. Rappel, Soul Makossa, 1972. Oui, je voudrais dire, pour ne pas le citer, que Soul Makossa, en son temps, a été copié, pour ne pas dire plagié, par la plus grande vedette planétaire de qui ait jamais existé. Et ça a été suivi d'un procès que Mamou Dibango, de regrettée mémoire, avait fort heureusement gagné. Michael Jackson, pour ne pas le dire. Hommage au Cameroun. Absolument. Le Cameroun qui se vend au-delà de nos frontières. Et la tribune qui applaudit véritablement ces Égyptiens qui viennent remettre au goût du jour nos musiques locales. Yes, and that was the show, I should say the show in the show, brought in by the music department of the Egyptian Armed Forces, specially invited to come and add to the color of this event, and they added some warmth onto it. Serious, highly applauded by the public right here, including the first couple of Cameroon. They moved from world music to from Arab to world music, playing bits of Shakira, which blended the golden sounds in Zangalewa, and then before, then concluding with a beat. Alors of... Alors que là, nous, allons les, nous avons les premiers aéronefs. And then concluding with, yes, you should, with a beat of Mamou Dibango. Boulevard du 20 mai. And that one gives way now for the real event that was planned out here by the Defense Forces of Cameroon to begin. And the kickoff has been given by a fleet of the... Air Force, who have just made their flypast here at the May 20 Boulevard, and Lieutenant Emmanuel Tata Mwolua. We always start with the Air Force. Does it have any symbolic reason? Yes, we are talking about the flypast. Yes, yes. It opens with the flypast, as I mentioned. It's an operational strategy. We start with the air. We come to the land and other motorized and mounted battalions. I want just to remind our listeners that. 8 helicopters flown past this, the 20th May Bolivar. That's 2 MI-24, 2 Augusta helicopters, 2 Bell 4-112 of the Rapid Intervention Battalion, and 2 Cessna. In all, 8 helicopters. Et là, nous allons avoir droit au carousel
produit par la gendarmerie nationale. Oui, Ibrahim, le thème retenu cette année, tous unis, Camerounais et Camerounais de tous horizons, unis par le destin, nous ne formons qu'un. C'est un message en symbiose avec la thématique du 20 mai de cette année. En réalité, le message porté, c'est relevons tous les défis pour faire du Cameroun un pays résilient et conquérant, à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle du monde. Encore un appel à l'unité, toujours à l'unité et toujours. Et à l'unité. Toujours et toujours. Le carrousel de la gendarmerie nationale. Camerounais et Camerounais de tout horizon, unis par le destin, nous ne formons qu'un. Le vivre ensemble, l'harmonie entre la paix et la cohésion armée-nation sont votre force. Soyons les garants de notre identité historique, culturelle. Relevons tous les défis pour faire du Cameroun un pays résilient et conquérant. L'esprit constante de votre historique contre le carrousel de la gendarmerie nationale, appel à l'unité, appel pour la construction d'un Cameroun uni, fort et prospère, Ben Poufon. And we'll never say it more than that, Ibrahim Sharif. It all rotates around, evolves around. Alors que le train du défilé, lui, est lancé.
Yes, and it evolving around the notion of peace, unity, and solidarity. That is the message. And that is the symbolism of this day, the National Day of Cameroon, celebrating national unity. And we've just seen it there in that carousel performed by the music of the National Gendarmerie. And now the military flypast, the second fleet of helicopters have just made pass, just gone past there, to indicating that very soon we are getting into the real hostilities, Mr. We are getting into the real hostilities when the flypast, it kickstarts the march past of today. As I earlier mentioned, Ben, if you permit me, there are helicopters that will fly past the boulevard that we are talking about, two MI-24. Two Augusta helicopters, two Bell 4112 of the Rapid Intervention Battalion, and two Cessna. Okay, and so that is the parade now begins proper, and with the military parade, which will, as we'll have some three components. There will be a march pass, and we'll just have the fly pass of the soldiers. Then we'll have the march pass by the mounted and motorized troops that will come later on, but for now it is just the kickstart of the foot troops that will be passing in front of the president and the first lady of Cameroon as they watch keenly to see what the Cameroonian Defense Forces have up their sleeves this time around. Alors, Colonel Katonfak, c'est la musique de la garde présidentielle qui défile ainsi devant le chef là, et ce sera la seule musique qui défilera véritablement. Oui, en réalité, ils sont en train d'ouvrir le défilé, ils se mettent en place. On a parlé tantôt des honneurs, de la solennité qu'on accorde aux sorties du chef de l'État, et c'est à ce titre-là que c'est la musique de la garde présidentielle qui défile et qui ouvre ce défilé, qui ouvre la parade. Et les autres musiques qui ne défilent pas et qui vont quand même prester pendant le passage des troupes. Exactement, c'est une répartition de rôle entre la musique de la garde présidentielle, la musique principale des armées, la gendarmerie la nationale, musique de la gendarmerie nationale et la sûreté et la nationale. Musique de la sûreté nationale. Elle se répartit ce rôle d'animation-là. Mmh. Évidemment que pour cette journée, il faut leur ajouter l'orchestre égyptien qui a presté tout à l'heure. Tout à fait. Mais aussi, pour ne pas y revenir, je voudrais préciser pour les auditeurs de langue française que tout à l'heure, l'armée de l'air et le BI ont engagé 8 aéronefs, dont 2 hélicoptères MI-24, 2 hélicoptères de type Augusta. On les a vus passer tout à l'heure. Voilà, sur les 4 qui avaient été réceptionnés l'année dernière, 2 Bell 412 du BI et 2 Cessna, avions de surveillance aérienne. Je voudrais ici dire que les Augusta sont en réalité des hélicoptères d'attaque. 4 pièces Augusta ont rejoint le parc de l'armée de l'air depuis 2022. Cela fait... Oui, cela fait une armée de l'air de plus en plus mieux outillée pour accomplir l'ensemble de ses missions qui sont en réalité des missions de surveillance, de contrôle, de protection des espaces aériens, mais aussi des missions de protection et des accomplis d'accompagnement des forces au sol et des forces sur le plan d'eau. Ben Buffon. Lieutenant Tata Emmanuel, tell me, what is going to be the configuration of the march pass that is going to stage here? Okay. How is it going to run out? Okay, the march pass arrangement, first of all, we'll see the commander of the troop, that's Brigadier General Poba Dubekreo, who is the man of the day, who's assisted by Colonel Meganda. They will march past, then closely followed by a detachment of the Presidential Guard, the National Gendarmerie, the Army, the Air Force, the Firefighters Corps, the ex-servicemen and war victims, Customs Department, Penitentiary Administration, and the police. Le commandant des troupes ici au boulevard du 20 mai, le général de brigade Bouba Dobekrio, qui va ainsi saluer le président de la République. Colonel Tonfak, quelle est la symbolique de ce salut-là sur un véhicule, un commande-car? Oui, la symbolique, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui font allégeance au chef de l'État, chef des forces armées et des forces de sécurité. Et lorsque cette allégeance a été faite, en réalité, le chef de l'État étant l'incarnation de la République, le représentant élu du peuple camerounais, les armées, les forces de défense et de sécurité font allégeance au peuple camerounais et disent clairement au peuple camerounais, nous sommes à votre service. Il est suivi à pied par le commandant
des troupes en second. Oui, précision importante, le commandant des troupes est toujours d'extraction des armées et aussi besoin de l'armée de terre et le commandant en second de la gendarmerie nationale. Et c'est les éléments de la garde présidentielle qui défilent ainsi, marquant ce pas bien particulier, colonel Atonfak. Oui, ils attaquent très fort le sol, ils attaquent vigoureusement le sol. C'est une force d'opération, c'est peut-être une force de solennité, mais c'est beaucoup plus une force d'opération. Et évidemment que c'est la garde présidentielle qui ouvre comme de tradition aussi le défilé. Démonstration de discipline, démonstration de cohésion. Attaquer si bien le sol demande qu'on soit suffisamment solide au niveau de son tronc. Et évidemment, il faut être solide autrement, mais aussi sur les pieds, sur les bras. Il faut surtout être solide mentalement, solide psychologiquement. D'où la raison, l'impérieuse nécessité de la sélection hyper dure pour rejoindre les forces de défense et les unités spécialisées. Lieutenant Emmanuel, we now have the presidential guard that is already marching past, and they will be followed closely by yet another section. I want to know what is the specificity of this the section that is following after this mounted troops as the presidential couple watches on. Tell me, these people that we have on the screen now, what is the role of this particular troop? Okay, this is the presidential guard, as the Kenyan earlier mentioned. They have parade and security missions that they accomplish through the participation of various activities. That's the presidential escort, its honors, and also covers combat-related activities. The guard protection of the palace and the republic, and the participation and protection of the head of state and his family, likewise his guests. Now, apart from protecting the presidential family and his guests, do they have any specific combat missions? Yes, they have specific combat missions. When the threat has become to an ascendancy, they intervene in order to take part of it. And also, they also protect important strategic institutions of the country and installations, like the pylons of the CRTV. Is being guarded by the presidential guard, not far from here, Bankumo. Là, nous avons à l'écran les élèves officiers de l'ENIA, l'école militaire interarmée du Cameroun. Là également, c'est un pas bien particulier. On le leur connaît depuis Mathusalem. Ils ont toujours défilé comme cela, colonel Atonfak. C'est vigoureux, c'est dur, c'est raide, ça lève la poussière, ça montre le côté physique de la formation qui est dispensée à ces jeunes Camerounais justement. Et nous avons vu que l'élite de notre armée était issue de cette formation nationale, de la maîtrise de ce process. Ils arrivent immédiatement après la garde présidentielle. Cette place, je dirais, d'honneur pour ces jeunes aspirants officiers. Parce que l'armée camerounaise est une armée interarmée. C'est le vivier, l'école militaire interarme, dans lequel toutes les armes et toutes les formations vont aller puiser la ressource. C'est l'avenir en mode démonstration. C'est pour ça qu'ils passent juste après la garde présidentielle, dont il faut dire qu'ils avaient deux carrés de 149, commandés par le lieutenant-colonel Mbola et Belé Francis de Grando, commandant le troisième groupement d'intervention de la garde présidentielle. Maintenant, pour dire la gendarmerie, c'est la territorialement compétente. Il n'y a que deux corps au Cameroun qui ont la vocation de national dans l'intitulé de l'appellation, c'est la gendarmerie nationale et la marine nationale. La gendarmerie a un rôle de sécurisation des populations de toutes les zones du pays, des confins, des tréfonds du pays aux zones périurbaines et urbaines. C'est la force qui a l'installation territoriale la plus dense, la plus complète. C'est elle qui mène à la fois les opérations de maintien de l'ordre quotidien, les opérations de maintien de la paix. Mais la gendarmerie a aussi ce rôle de surveillance de toutes les autres forces. Là également, la gendarmerie s'est beaucoup modernisée. Oui, beaucoup de modernisation en vue, beaucoup de montées en puissance, beaucoup de maîtrise de l'ensemble de leur mission. Je vais notamment insister par exemple sur la circulation routière. La gendarmerie a fait d'immenses progrès sur les trois dernières années. On peut, quelques usagers qui violent les règles de circulation,
populations peuvent ne pas être contents, mais il faut dire que le nombre de morts grâce à cette action forte de la gendarmerie a considérablement diminué, de même que le nombre d'accidents. Et également au niveau des preneurs d'otages. Évidemment que la gendarmerie est engagée dans des opérations spéciales à l'est du Cameroun, dans la Damawa avec l'opération Adano Androne, et les résultats sont probants. Il faut le mettre au crédit de cette dynamique managériale là qui est à la tête de la gendarmerie et qui permet que la troupe monte en puissance, exécute avec fierté ses missions, et puis les résultats, ils sont là, ils sont visibles, ils sont probants. Ben Poufon. Yes, and after the presidential guard, the turn has come for the National Gendarmerie, which equally has competence, like the lieutenant was saying, the colonel rather was saying, that they have territorial competence, and they are one of the rare corps, together with the Marine, you said, that have national competence, territorial competence in Cameroon. And these ones who look rather frightful, tell me, lieutenant, what makes the specificity of those people who look like they're riot fighters? Ben, I would say I would like to commend my corps of origin. I'm a gendarme. They are made up of three squares here. First of all, the territorial gendarmerie. You talked about gender equality, the first square that passed by. Now these are riot officials. They are dressed in their outfit, caskets, and other proofs. Do they receive special training? They receive special training. They receive special training, and they are found in all the 10 regions of Cameroon. And it is the first force that comes in when there is public disorder. And they are closely followed by the polyvalent, the multipurpose squad of the National Gendarmerie called the Mishepik. They are involved in fighting against highway banditry, terrorism. As the colonel earlier mentioned, they are engaged in issues of hostage taking, most especially in the Adamawa region, where there's cattle theft, kidnapping for ransom, and whatnot. They are called elite forces as well. What makes them elite? They are elite forces of the National Gendarmerie because they have specific missions when it comes to security issues, and they assist other forces in order to step down those threats. Alors que là, sur notre écran, nous avons le passage de l'armée de terre. Justement, Ibrahim, l'armée de terre qui est dans son déploiement des grands jours avec un carré de l'école des sous-officiers qui est basé notamment dans l'enceinte du bâton, les troupes aéroportées de Koutaba. Mais je voudrais surtout insister sur le carré des forces spéciales qui va arriver. Qui font partie de l'armée de terre, justement. C'est le nouvel outil de notre armée dont le but est de mener des actions d'opportunité sur des objectifs à forte portée stratégique. Les forces spéciales sont constituées d'agents spéciaux spécialement entraînés, dont la rigueur et l'efficacité non d'égal que le courage et la témérité qui incarnent l'esprit des forces spéciales. On les voit arriver là en fond d'écran déjà. Allez voir marcher. Et avec la tenue qu'ils arborent, on se dit, on a affaire à des gens non seulement très sérieux, mais ça rigole pas là-bas. Hyper spécialisés, hyper bien formés, ils ont amorcé leur montée de puissance, depuis 2015, et sont déjà engagés sur plusieurs fronts, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais préciser ici qu'elles sont commandées par un officier hyper capé, le colonel Laté Balé Léopold Émile Théodore Daniel Stanislas, un autre pur produit de l'école militaire interarmes, passé par les bataillons de l'armée de terre, mais aussi passé par le bataillon d'intervention rapide. Il a pris le commandement il y a quelques mois. En cagoulé comme ça, c'est les plus discrets parmi les forces de défense ici. On ne les voit pas. C'est des discrets parmi les discrets. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça. Exactement. Alors, ils sont juste suivis par le carré de la brigade du quartier général. Ceux qui tiennent la capitale. Le bouclier de la capitale, pour donner l'appellation exacte. Ben Poufon. Tell me the place of the headquarters brigade in the overall organization of the army. They are the ones marching past now. Yes, the headquarters brigade, they have specific missions currently commanded by Colonel Marcian Charles. They are engaged in the protection of the capital city and its environs, defense sensitive points of his area of responsibility,
with the exception of those entrusted to the Presidential Guard. They support the institutional organization located in its area of responsibility. And they have carried out concrete achievements over time. That's to say the restoration of the Kilon Balls, the renovation of the kindergartens, because we have schools implanted in military garrisons. And they are closely followed too by yet another detachment of the infantry. Exactly. They are the special amphibious battalion. It is based in... Battalion de troupes aéroportées de Koutaba. Koutaba is... They are in Koutaba and they have missions in times of peace, instruction and physical training of its airmen, initial training, occasional missions that are training for the benefit of partner administrations and intelligence gathering as well. Colonel Atomfak, là également c'est des forces, on va dire, quasi spéciales. Exactement, que ce soit le BETA, que ce soit le BSA ou que ce soit le PIR, le bataillon d'intervention rapide qui passe en ce moment, nouvelle appellation de ce qui fut dans les années 83-85 appelé BLI, bataillon léger d'intervention. Il faut dire que c'est des unités spéciales qui ont donné entière satisfaction sur tous les fronts, qui continuent de se spécialiser dans différents domaines, que ce soit la terre, l'air et le domaine maritime, et qui agissent au même titre que les unités spéciales sur des cibles ou des objectifs à haut potentiel, avec un rendement qui est salué par nos populations, nos décideurs, nos autorités publiques. Chapeau au BIR, comme pour le dire. Et c'est aussi la résultante des réformes de 2001. On est toujours sur 2001, rajeunissement, modernisation, professionnalisation. On ne le dira jamais assez, le chef de l'État, dans sa posture de visionnaire, avait vu venir et a préparé l'outil de défense du Cameroun aux crises contemporaines, aux crises à venir, aux crises du futur. C'est ce qui fait que lorsque il est apparu de nombreux foyers de crise sur la diversité de nos frontières, de nos espaces et chez les voisins, les forces armées camerounaises étaient en réalité totalement prêtes. La preuve aujourd'hui, elles agissent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, avec une dextérité reconnue au niveau mondial, au niveau des Nations Unies. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'aucun centimètre carré du territoire national n'est occupé par des troupes ennemies ou des troupes étrangères, c'est la pure vérité. C'est une lapalissade. C'est la pure lapalissade, permettez-moi d'insister, parce que après de nombreuses années d'attaques venues de gauche, de droite, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, le territoire camerounais reste à jour inviolé malgré la haute perfidie de certaines attaques. Et là encore, c'est à mettre au crédit de l'ensemble des troupes qui défilent ici, absolument. Oui, c'est à mettre à leur crédit, à mettre au crédit de ceux qui les managent au jour le jour, à mettre au crédit de ceux qui les entraînent, à mettre au crédit de ceux qui les forment, ceux qui les équipent, mais en réalité à mettre au crédit du chef des forces armées qui n'est rien d'autre que... de la République. Oui, il faut mettre à son crédit, c'est son armée, ce sont ses troupes, il faut mettre à son crédit. Look at them pass me. They are all black. They look frightful. Is that for a special mission too? Yes, that's the Rapid Intervention Battalion. They are in charge. The Rapid Intervention Battalion, they are involved in fighting highway banditry, terrorism. We can talk about the fight against the Boko Haram sect in the far north region. They also engage in the socio-political crisis going on in the northwest and southwest regions and other areas of crisis. And now we have the Air Force making their way in front of the main tribune. Yes, they have specific missions like surveillance and protection of the defense airspace. They support and assist other defense forces, surveillance and the protection of air facilities in conjunction with the Ministry of Transport. Likewise, the multiple requests for the Cameroonian Defense Forces in general and the Air Force in particular in the various theaters of operations have led to its numerous achievements over time. Alors, l'armée de l'air, Colonel Atomfak, après le passage des aéronefs, maintenant c'est les troupes à pied. Oui, Ibrahim, dire que c'est une arme qui continue de se peaufiner, qui continue de se moderniser, qui continue de monter en puissance. On observe, là, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup des fusiliers de l'air. Ils sont peu connus. On a un carré de 149 fusiliers de l'air là, en tenue. C'est ceux qui maîtrisent parfaitement l'interface air-terre, l'interface air-mer, et qui sont considérés à jour, à date et à raison, comme des unités spéciales de l'armée de l'air, qui abattent un travail formidable sur tous les théâtres où elles sont engagées et qui accompagnent justement la montée en puissance de cette armée de l'air qui dispose aujourd'hui d'une capacité de feu. Certes,
pas suffisante, mais qui continue d'être améliorée d'année en année par le haut commandement avec l'acquisition et l'entrée en service actif, je le disais, depuis 2022 de 4 hélicoptères de type Augusta, des hélicoptères d'attaque qui ont considérablement renforcé les capacités de l'armée de l'air. Et maintenant, la Marine nationale, un corps qui vous est bien cher. Ah oui, je parle au colonel, au capitaine de vaisseau. Ben, je l'ai toujours dit, la Marine nationale, c'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de mon cœur, c'est mes petits bonheurs, c'est mon entrée dans les forces de défense. C'est une arme qui a de multiples défis, aussi bien sur le plan maritime que sur le plan des eaux intérieures. Et là, on a en souvenir la traversée de l'océan. Et justement, l'océan les Sea Lions, je n'aurais de cesse de le répéter qu'en octobre-novembre de l'année 2022, la Marine nationale, première marine du Golfe de Guinée, a projeté deux unités navales, deux vecteurs entièrement pilotés par des Camerounais, mis en œuvre par des Camerounais, de Douala à Natal et au Brésil en passant par Abidjan. Ces deux unités sont remontées jusqu'à Rio de Janeiro pour participer à la parade navale qui commémorait le bicentenaire de la République fédérative du Brésil. C'était pratiquement la seule marine d'un pays en développement au milieu des grandes marines nationales. Avec une équipe de la CRTV embarquée. Évidemment, embarquée. Et il faudrait justement revenir de temps en temps sur cette opération pour louer la montée en puissance de nos forces de défense. Alors que le corps national des sapeurs-pompiers défile ici devant le chef de l'État, corps national des sapeurs-pompiers, qui est monté en puissance ces dernières années en termes d'équipement et en termes d'hommes également. Exactly, and we must mention here that the organization of the firefighters corps dates back to the colonial period, and it has specific missions that is under permanent requisition, the formations of units and other firefighting agencies acting with the territorial administration and decentralization committees to accomplish the following missions like fighting fire, fight against calamities and their consequences, relief also of people, safeguarding assets at risk and participation in disaster. Les sapeurs-pompiers qu'on retrouve désormais dans toutes les régions du Cameroun. Exactly. We are talking about the 2001 reforms, equipment of the forces, rejuvenation, and modernization. So the firefighters corps, commanded by Brigadier General Mahmoud Ahmed Kotoko, I think the people, they are doing their best. Le général de brigade Mahmoud Ahmed, commandant du corps national de sapeurs-pompiers. Yes, they also participate with the other forces. It's a concerted action, Ben. It's a concerted action. Not only fire, everybody is involved. In all our crisis zones, you realize that all the components that make up the Cameroon Defense Forces are engaged in the different theaters of operation. Et enfin, pour ce qui concerne les armées, les anciens combattants et victimes de guerre, qui défilent au boulevard du 20 mai 1972 ici, ils ont fait leur classe, ils ont fait leur temps, mais ils restent debout. Exactly, Ibrahim, I must come to the 50th anniversary. Yes, The 50th anniversary of the Cameroon Defense Forces in Bamenda, the head of state declared the creation of the Secretariat of State in charge of ex-servicemen and war victims. We are talking about 2001. And with the coming of Minister Kupa Issa into the helm of this administration, it has carried out a lot of reforms that's reintegrating these ex-servicemen and war victims into active life. Alors que la police nationale, la sûreté nationale est engagée en ce moment au boulevard du 20 mai, défilé devant le chef de l'État, j'ai avec moi à mes côtés le commissaire de police Antoine Etou Ngoti. Celle qui commande les troupes de la police est une dame, bien évidemment. Oui, la commissaire divisionnaire Gonongwa. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ben, c'est la première fois en tant que commandant des troupes de la police. Mmh. Elle a souvent commandé les carrés, mais surtout le carré spécial. C'est un sacre. Elle est secondée par le commissaire divisionnaire Issa Mohamed. Mmh. Et là, nous avons, juste après elle, c'est les élèves de l'école nationale supérieure de police de Yaoundé. Effectivement. Avec ce pas bien spécial qui leur appartient, j'allais dire. Spécial comme le nom sort, du carré. Il vient d'où ce pas-là? C'est un pas d'origine britannique que l'on appelle la cavalière. Un pas très difficile à exécuter, mais c'est un pas qui développe l'élégance. Tous ceux qui sortent de ce carré-là, après on dit qu'ils ont une très belle démarche, vous pouvez croire. C'est ce pas-là qui il faut porter le corps vers l'avant sans faire du bruit, sans faire des mouvements, rester droit. C'est comme si les pieds glissaient.
C'est très difficile à exécuter. Il porte une arme qu'on appelle le sabre, l'arme de commandement. Et puis il y a la compagnie de sécurité routière. La compagnie de commandement, la compagnie, le groupement régional de la voie publique et de la circulation. Ce sont ces hommes et ces femmes qui bravent les intempéries de toutes sortes pour nous aider à vaquer normalement nos occupations en régulant la circulation et en surveillant la voie publique. Ils doivent beaucoup de respect. Et puis, le GSO, groupement spécial d'opération. Force d'élite de la Sûreté nationale, unité de deuxième catégorie. On peut dire que c'est les forces spéciales de la police. La puissance de frappe de la Sûreté nationale, rompue dans les missions à haut risque, notamment la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il marque un pas herculéen d'origine russe. Donc c'est des gens, il ne faut pas s'approcher d'eux. Et ils sont toujours comme cela Encagoulés pour certains, pour montrer que leur mission ne demande pas de faire la part des choses. Même si c'est un proche qui est concerné, ils doivent aller jusqu'au bout. Leurs missions sont capitales et rien ne doit arrêter leur progression. Merci beaucoup, mon commissaire. Et l'administration pénitentiaire qui défile en ce moment devant le chef de l'État, Ben Koufon. Yes, following on the heels of the National Police, we have the penitentiary administration in Cameroon. And with me here is the prison administrator, Aseo Di-Marie Raymond. She is chief of service for general affairs at the regional delegation for penitentiary administration here in the center. Tell me, while the march passed there, we understand that the prison administration in Cameroon has undergone a series of reforms. What was your pick on some of those reforms? The unit team. So I just want to say there have been a renovation. There have been several renovations within the penitentiary administration, like the construction of new prisons. For example, the central prison of Goma that was created recently with a capacity of 1,500. Tout à l'heure, parce qu'à notre écran, ici défile en ce moment l'administration des douanes. L'administration des douanes, nous avons comme consultant M. Quentin Achille Dimal, capitaine des douanes. C'est quoi les innovations de votre défilé cette année? Les innovations de notre défilé cette année, c'est déjà 1369 personnels mobilisés, répartis dans 22 sites dans tout le territoire. Au niveau de Yaoundé, vous avez un chef de carrière, le capitaine des pompes à pied, un jeune, qui est en service à la division des enquêtes douanières de la surveillance. Et on l'a constaté, le pas est désormais un peu plus militarisé quand même. Effectivement, vous savez que le chef de l'État nous a donné un mandat à renforcer notre mandat sécuritaire. Nous devons donc nous arrimer à la pratique établie dans les autres forces de défense et de sécurité. Cela va également conditionner nos hommes à militariser leur comportement, à développer véritablement les réflexes militaires. La douane camerounaise, vous continuez à promettre que les recettes vont s'améliorer. C'est un impératif. Il faut financer les dépenses publiques, il faut financer la sécurité. Pour cette année, l'objectif, c'est 1 024 700 000 000. Il faut dire que l'année passée, nous avons déjà atteint 104% de réalisation. Et c'est ainsi que s'achève ici au boulevard du 20 mai, ici à Yaoundé, le défilé militaire à pied. Et place désormais au défilé motorisé qui va être ouvert par la cavalerie de la garde présidentielle. Et vous allez constater que même la musique qui est jouée ici a changé. Elle se met au rythme et au pas de la cavalerie. Colonel Atonfak. Oui, justement, tout à fait. Ça permet de revenir à ce défilé motorisé qui est à la fois un défilé monté pour la cavalerie et un défilé motorisé. Et d'insister justement, on ne le dira jamais assez, sur cette unité de la cavalerie de la garde présidentielle, 30 chevaux qui vont défiler aujourd'hui. Des chevaux dont l'entretien, dont la reproduction, dont le traitement et dont les soins sont désormais totalement maîtrisés par la garde présidentielle à partir de leur écurie qui est basée à Yaoundé. Et c'est une unité qui monte en puissance et qui perpétue une tradition, n'est-ce pas, de cavalerie désormais complètement aussi camerounaise. Une cavalerie complètement domestiquée désormais et donc avec plus de capacité.
Oui, évidemment, il y a plus de capacités aujourd'hui parce que les génisses et les étalons qui sont dans les écuries se reproduisent aujourd'hui de façon très contrôlée avec les équipes de vétérinaires qui en prennent totalement soin. Ben Poupon. Yes, the march pass on foot, parade on foot is over. Now it is the mounted and motorized troops passing now. We're starting with the cavalry, which has a special place, I should say, in the Presidential Guard. It has a special place when it comes to parade. As we earlier mentioned, when the president was making his way into the 20th May Bolivar, he was accompanied by 60 horses. And this is a squadron of the Presidential Guard, as I earlier mentioned. They are situated in the neighborhood of Melenye in Yaounde. And it's a mounted motorized march pass because you also see motorcycles of the Presidential Guard. Likewise, the National Gendarmerie, motorcycles of the National Gendarmerie in charge of coping road accidents and keeping clean our highways. And they will also be closely followed by the police. We are doing internal or highway prevention of accidents, sensitizing the world users time. And again, you know, we are caught in a dead trap as far as our highways are concerned. De la garde présidentielle et de la gendarmerie. Exactly. And it's closely followed by the police. Et également ceux de la police nationale. This is the mounted march pass. They are on horses. Pour des besoins en réalité d'harmonie du défilé. Harmonie, parce qu'en réalité, il faut préciser aussi que nous sommes dans une parade. Au-delà du défilé, nous sommes en mode parade, donc en mode démonstratif de l'ensemble de nos capacités, accompagnées de l'ensemble de nos savoir-faire. Et c'est les savoir-faire interarmés, c'est les savoir-faire des forces de défense et de sécurité, y compris des éléments paramilitaires comme la douane. D'où les raisons de ce défilé monté, distant du défilé motorisé, mais les deux dans un ensemble séparé du défilé à pied. Absolument. Can we could say that the mounted and motorized parade is another way of demonstrating the strength of the Cameroonian, the know-how of the Cameroon military? Oui, Ben Profond, c'est exactement une autre façon aussi de démontrer l'ensemble de nos capacités. Je voudrais insister sur un nouveau matériel en service à la garde présidentielle, un nouveau vecteur qui se veut le fleuron de l'escadron blindé de reconnaissance de la garde présidentielle et son savoir-faire, c'est le Pantera D8, dont un certain nombre d'exemplaires viennent tout récemment d'être acquis. C'est un vecteur de mobilité hyper puissant, de protection, mais aussi avec une très grande puissance de feu. Il est tout terrain. Tout terrain, toute situation, toute stabilité. Le Pantera D8 est destiné à garantir que la garde présidentielle soit au rendez-vous de la modernité au niveau de son armement et de sa mobilité dès maintenant et dans les années à venir. Alors, démonstration de force, on montre, mais on ne montre pas tout. Colonel. Évidemment. D'où le mot que j'ai utilisé, la parade. C'est-à-dire qu'on part d'une idée de démonstration de force pour aboutir à une idée de parade. On montre ce qu'il faut montrer pour rassurer d'abord les Camerounais, pour dire au peuple camerounais que l'armée, les forces de défense et de sécurité sont à même de gagner. Prépare la guerre, mais quand on prépare la guerre, c'est pas pour la faire, c'est pour être prêt le jour où elle viendra. Le Cameroun n'a jamais été un État va-t-en-guerre. Le chef de l'État était le premier à s'élever pour dire combien il est mendiant et acheteur de paix. Est-ce que les véhicules que nous voyons ici à l'écran font également partie de ce qu'on pourrait appeler les résultats de la diversification de notre coopération militaire? Parce qu'ils viennent un peu de partout lorsqu'on voit les marques. Exactement. Le Cameroun est un pays complètement ouvert sur le monde. Le Cameroun est un pays ouvert sur l'émergence. Le Cameroun est un pays qui diversifie ses partenariats, qui ne met pas ses œufs dans un seul panier. D'ailleurs, aucun pays raisonnable et raisonné ne le ferait. C'est justement aussi la preuve que nous traitons avec l'ensemble du monde civilisé, l'ensemble du monde moderne. Lieutenant Tata, tell me, we've been seeing all manner of vehicles and military hardware passing here. Are these vehicles region specific? In other words, do they have a vocation to intervene all over and wherever, or you have specific
vehicles for specific zones, for instance. Sure. Fighting the Sahara, fighting in the forest zone and issues like that. Exactly. They have specific missions. Like, for example, we have the presidential guard that just rode past the scene of action. They have armored cars. That's the reason why we are saying that they are not only there for parade, but they are also there for combat mission, because they have armored reconnaissance vehicles. So it's a concerted action. I earlier mentioned here that all the forces are engaged in the field. The presidential guard is not only there for honors and taking care of the president's family and his guests, but also in those crisis zones. And we equally notice that within the military, there are equally social services, talking about people who take care of specific missions. And that's why we see some of them passing here, like in the domain of health and issues like that. How do they intervene in it? They intervene in times of crisis. For example, not only taking care of military personnel, yes, who fell in the scene of actions or in battlefields, but as well as civilians, because it's an issue of asymmetric threats, and they usually find themselves in urban areas. So if civilians are caught in this trap, then these vehicles, these ambulances, we will evacuate them to a specific hospitals which are spread all over. La prévention routière. Oui, il faut dire que le peuple camerounais est debout pour saluer les performances de la gendarmerie nationale ces deux dernières années sur nos routes. Elles ont mis beaucoup de matériel, beaucoup d'électronique, elles sont montées en puissance, des radars de dernière génération. La gendarmerie a contribué à largement réduire la vitesse sur nos routes et donc réduire le nombre de morts sur nos routes. En touchant notamment aux porte-monnaie pour les... Évidemment, c'est l'application, ce n'est que l'application de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La gendarmerie est restée dans la stricte légalité et elle continuera dans ce sens jusqu'à ce que la maîtrise du code de la route et le respect du code de la route deviennent une habitude élémentaire dans notre pays. Et à côté, il y a quand même quelques nouveaux véhicules qu'on ne connaît pas beaucoup, qui défilent quand même ici au boulevard du Vermeil. Là également, c'est des nouvelles acquisitions, c'est des ambitions bien affirmées. Oui, des véhicules des forces spéciales, des véhicules protégés, des véhicules pour gérer les incidents sur les terrains de la défense, des véhicules de protection renforcés, notamment les blindés, permettez-moi le terme, de la gendarmerie, qui permettent d'aller dans les zones les plus insécures, de s'installer durablement sur des théâtres pour rétablir la paix. La gendarmerie arrive à le faire avec beaucoup de doigté. Je voudrais dire un mot pour l'œil force, l'École internationale des forces de sécurité, qui a engagé quelques moyens mobiles là et qui défile. Une école qui monte en performance, une école qui est super bien cotée au niveau des Nations Unies, une école qui est contributrice majeure de la formation en matière de maintien de la paix sur le continent africain. Évidemment, une école à vocation internationale et une école que nos partenaires jusqu'aux Nations Unies portent à cœur. Commandement des opérations militaires, ce sont encore nos amis des forces spéciales. Oui, disons que le commandement des opérations militaires, en réalité, c'est un point focal d'intégration des forces, d'intégration des composantes de nos forces de défense qui est piloté de main de maître par l'état-major des armées et qui montre là ce qu'il y a de montrable, ce qu'il y a de possibilités, ce qu'il y a d'adaptabilité et les capacités justement de notre armée à prendre le train de la mondialisation, le train de la modernisation. En réalité, le Cameroun est fin prêt pour l'ensemble des conflictualités et l'ensemble des problématiques sécuritaires qui pourraient surgir tant à l'intérieur du territoire qu'à l'extérieur. Et justement, il s'agit là... Et là, nous avons la brigade d'intervention rapide et nous changeons totalement de couleur et d'aspect. En réalité, on fait un peu dans zone soudano-sahélienne. La couleur des matériels mobiles, la couleur de la mobilité est contextualisée par rapport au terrain d'évolution. Au Cameroun, nous avons trois grands ensembles, les zones de montagne, les zones Sahel, les zones forêt et les zones désertiques. Et les couleurs sont généralement contextualisées à ça parce qu'une armée qui ne sait pas épouser les contours du terrain, une armée des troupes qui ne peuvent pas fondre dans le terrain vont se voir diminuer en termes de capacité et d'efficacité. Et les dénominations qu'on attribue à nos blindés,
Amchide, Garoua Boulay, Azim Fontem, etc., etc. C'est symboliquement, ça dit quelque chose. Symboliquement, n'est-ce pas, on salue la bravoure de nos populations, on salue la résilience de nos populations qui habitent ces zones, qui habitent ces garnisons. Au passé, parfois, quelque peu, un peu trouble avec certains problèmes que notre pays a connus avec certains voisins. C'est une manière de rendre hommage à la force de nos forces de défense, à leur résilience, mais surtout à la résilience des populations qui habitent ces localités. Résilience parce qu'elles ont et tenu. Coopération aussi. Et évidemment, coopération en contexte de lien armée-nation, mais quand on va plus loin aussi, c'est en contexte de défense populaire. Les populations ont véritablement pris le rôle, pris la mesure du rôle qui est le leur dans cette défense populaire-là. Elles accompagnent nos forces engagées, elles donnent leurs renseignements, elles coopèrent avec la nation, elles ne coopèrent pas avec l'ennemi. Et là, c'est des canons de combien de 155 millimètres si, 155 mm, si ma mémoire est bonne. C'est le régiment d'artillerie Sol-Sol qui nous vient de Konsamba, dans le Mungu. Ben Poufon. Yes, Mr. Lieutenant Emmanuel Tata. Yes. Sorry, I take you into the civilian domain. I get it completely. Yes. This is the motorized march pass, and you realize that this is the military engineering unit. The military engineering has a major role to play. When it concerns civil military actions. They are engaged in the constructions of roads, schools, edifices, hospitals, and all whatnot. Like, for example, let me take you to the Far North region. It's a military engineering corps that's constructing the stretch Morat Dabanga Kuseri. Yes, I understand that, but let me tell you, in times of war, how do they intervene? They have the combat regiment of the military engineering corps. They are not only engaged in construction, but they have other forces in areas that are inaccessible. By opening up. Exactly. So those are their missions. And they have other particular missions that they carry out. I just want to mention that you notice past armored vehicles with different colors. With different colors, yes, and different names. Exactly. In order for you to adapt to the field of intervention. Là, nous avons à l'écran des véhicules du bataillon d'intervention rapide, le BIR. C'est des véhicules qu'on ne voit pas souvent dans nos villes. Parce que occupé à autre chose, lieutenant. Justement, Ibrahim, nous avons dit que nous étions en mode défilé, mais nous étions aussi en mode parade. Il est constant que le Cameroun tient à rassurer sa population. Il est constant que le Cameroun tient à rassurer la communauté de nos partenaires. Et le BIR, qui est une unité spéciale de l'armée de terre camerounaise, doit pouvoir se montrer, doit pouvoir montrer son savoir-faire. C'est une unité créée dans les années 83, 93, 94, sous l'appellation de bataillon léger d'intervention, qui est rapidement justement montée en puissance et qui aujourd'hui atteint des seuils de performance incomparables en matière de prendre et de tenir le terrain avec des résultats. Et maintenant, les engins de la Marine nationale. Oui, le plan d'eau au Cameroun est tenu, la piraterie maritime est maîtrisée, les vols à main armée sont maîtrisés, justement. Ils reviennent justement, les marins, on ne le dira jamais assez, de la traversée de l'Atlantique avec l'opération Sea Lions, partie du Cameroun jusqu'au Brésil. Et donc, il faut féliciter toutes les équipes de la marine engagées dans cette opération. Et maintenant, ceux du Corps national des sapeurs-pompiers. Évidemment, les soldats du feu qui ne sont plus avec aujourd'hui. Avec leurs véhicules de couleur rouge. De couleur rouge. Qui ne sont plus aujourd'hui que des soldats de feu. C'est en réalité des soldats à la quête des vies qu'il faut sauver. C'est des soldats qui portent secours sur tous les plans, évidemment, qui éteignent aussi le feu. And joining me now is Superintendent of Police, Jem Ostala. Welcome, and tell me, the police, I understand, apart from seeing you with all of your armada marching now, I understand too that there have been a number of actions that have been carried on the ground, yes, specifically in the school milieu, yes, and ma'am, all of that. Oh, yes, then. The police motorized march past this year, if I must go, but precise, is led by Police Commissioner Njanjo George Manga William. He's a Chevening scholar. And Ben, to come back to your question, the police is present and going in contact with the team for this year. It is a celebration of proximity policing. You will see that in 2012, the head of state created a unit called as the specialized unit in charge of security in schools and university campuses. And this year's theme, talking about the defense forces and the Cameroonian people in harmony, is just a compliment to affirm the fact that the police and the population must work hand in glove, and that is proximity policing. And Cameroonian population have been crying out about this issue of passport, biometric passport. We understand the Cameroonian biometric passport, Ben, you would understand, went operational. Of today, you know, it is no longer fake news. It is true that in 48 hours, when you solicit
a Cameroonian passport, you have it in record time in 48 hours. And lastly, this year, let me catch your attention with what is passing, the mobile surveillance unit. The mobile surveillance unit. That is an innovation. It's an innovation. We have video surveillance cameras in the major towns and cities of Cameroon. All criminals are under watch. The watchful eyes of the Cameroonian police force. No matter where you are. And all of this is thanks to the professionalism of the police. That is why we have our garage led by a seasoned engineer, police commissioner, Onyong Maurice. Le commandant des troupes ici au boulevard du Vermin, le général de brigade Boubadou Bekrio. Monsieur le président de la République, fin de la parade militaire au boulevard du 20 mai, la 51e édition de la fête de l'unité nationale du 20 mai 2023. L'ensemble des troupes était commandé par le général de brigade Boubadou Bekrio, commandant la 5e région militaire interarmée. À vos ordres, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef des armées. On considère que c'est mission accomplie, le général de brigade Boubadou Bekrio, devant le chef de l'État. Colonel Atonfak, c'est la fin du défilé militaire. Qu'est-ce qu'on retient en un ou en deux mots? D'abord, dit que le commandant des troupes avait reçu une mission militaire, il avait reçu des moyens pour sa mission, et il retourne rendre compte au chef de l'État, chef des armées, de ce qu'il a rempli sa mission. Dans l'armée, c'est une mission, des moyens et la perpétuelle notion de compte rendu. Nous retenons cette année que l'armée camerounaise a paradé avec bravoure devant l'ensemble des invités de la République, mais aussi surtout devant la communauté internationale qui nous voit en mondovision grâce justement aux capacités du Cameroun de s'aligner sur le numérique et donc de pouvoir retransmettre en direct. Nous retenons que ce que nous attendions, ce que l'ensemble de la communauté attendait de les troupes, elle n'a pas été déçue du tout et nous pouvons en somme retenir que la modernisation, le rajeunissement, la professionnalisation ont une fois de plus été démontrés en mondovision. Et donc le Cameroun est prêt. Le Cameroun est en état prêt pour les défis sécuritaires du moment, mais aussi pour ceux à venir. Merci, colonel. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour la fin de la parade ici au boulevard du 20 mai. Pour le moment, place au défilé civil qui va être commenté par Aimé Robert Bihina et Benen Boumagana, à qui nous disons bienvenue et bonne fête également. C'est à vous. Mesdames et messieurs, merci Ibrahim Chérif. Bonjour mesdames et messieurs, bonne fête à tous, chers compatriotes du nord au sud et de l'est à l'ouest du triangle national et de par le monde. Nous prenons dans le relais pour continuer de vous faire vivre ce grand moment de la vie nationale, le défilé civil, une exception camerounaise dans la célébration de la fête nationale et c'est l'apothéose d'une semaine, la semaine de l'unité. Et comment ne pas le rappeler, les festivités marquant la célébration de l'an 51 de l'unité nationale ont été lancées le 13 mai dernier à Touba dans la région du Nord-Ouest, signe de la normalisation progressive. Benin, bonne fête. Good afternoon to you, Aimé Robert. Happy National Day. Many thanks to Ibrahim Chérif and Ben Menopoufong who let us through with the military march pass. Now, ladies and gentlemen, we are in that part of the celebration, the theme of this edition, the armed forces and the Cameroonian people. And here, the Cameroonian people marching past before you. This is the 51st edition of the National Day. And of course, the giant flag of Cameroon that represents everything that we stand for, the green, the red, the yellow, and especially the star in the middle, of course, that talks about our unity, which is what we are celebrating this very great day. C'est un grand jour, jour de fête nationale qui consacre donc la célébration de notre identité collective et narrative.
Et pendant que le train du défilé déroule déjà, comme vous avez pu le voir en ouverture, le bouquet d'ouverture, pour ainsi dire, qui précède donc de quelque peu le bouquet spécial qui représente les quatre aires socioculturelles du Cameroun. Pourquoi ne pas les reprendre à l'infini, les Fambeti, les Soudano-Sahéliennes, les Grassfield et les Sawa. Let's listen to the song, Emirobe, that it should be bringing to us today. On écoute donc tous ensemble cette air d'Elvis Kemayo qui fait l'éloge honneur cher de notre cher et beau pays, le Cameroun. Tout cela, Bénin, pour faire l'éloge de l'unité nationale, l'unité dans la diversité, comme c'est beau, comme c'est splendide, avec les Sawa, l'air Sawa, que vous pouvez voir à l'écran. And talking about Cameroon's rich and cultural diversity, made up of a mix of about 250 to 300 ethnic groups, Cameroon is truly Africa in miniature. And it's at moments when we are engaging the basic education section. Two schools from each subdivision, so we're going to have seven subdivisions. Et c'est pour également dire non au discours de haine, non au repli identitaire, et oui, oui à l'intégration nationale. Et il ne vous a pas échappé l'actualité de cette semaine, Bénin, la conférence de presse donnée par les membres du gouvernement qui nous rappelle donc l'impératif de défendre le vivre ensemble et l'unité nationale. Let's listen to their beautiful voices as they sing. We'll definitely have Ebot Jean Sani, Senior Youth Counselor with us, and David Tekem, who is the Communications Officer of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Let's listen to them sing Obi. Déjà sous vos yeux, le module de l'éducation de base, alors qu'on a vu passer un peu vite le carré de la diaspora, qui représente donc les près de 7 millions de Camerounais de l'étranger qui sont pour ainsi dire loin des yeux et près du cœur avec nous. David Ketem est avec nous, le bouquet de l'éducation de base avec ses enfants qui chantent, qui reprennent en cœur et qui font l'éloge donc du civisme, de la morale et de l'éthique comme sous-thème entre autres de cette séquence. Oui, Emer Ebert, le module éducation de base défile sur la thématique réamorcement moral, civil et entrepreneurial. Il ne vous a pas également échappé qu'il y a un peu plus d'un an déjà que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial. C'est à l'effet d'apporter des réponses à ce civisme qui perd de l'élan chez nous au Cameroun. D'ailleurs, le chef de l'État, dans ses messages à la nation depuis 2013 déjà, décrit cela, et c'est pour apporter des réponses concrètes à la lutte contre les actes inciviques que le programme national d'éducation civique... Et c'est le bel âge pour inculquer ces valeurs. En effet, voilà pourquoi ils exécutent d'ailleurs des chants patriotiques qui véhiculent des messages de paix, qui véhiculent des messages d'unité, de vivre ensemble, et tout cela mis ensemble donne justement le vivre ensemble camerounais. One would definitely listen to them a bit to capture the song they are singing, because all of this has to do with patriotic songs that I've brought in today. De l'éducation de base avec deux établissements scolaires sélectionnés par la commission. The children are singing with a lot of excitement and enthusiasm, but sometimes you don't get clearly what they are saying. So what exactly are they saying in the song? Yes, the song the children are singing from the basic education module talks about all our civic and entrepreneurial rearmament. These are songs that are composed by a
number of Cameroonians and selected by a constituted jury from the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. And the song is all about magnifying the unity, the integrity, and building the morals of the children. You know, it is at this stage that civic and moral education is supposed to be built in these children. And they are singing, they are trying to sing the values, and it is the values that they're going to live with all the rest of their lives. And these values would continue with them, and they are going to transmit it to their peers. Et je rappelle que l'éducation de base, selon le décret du 19 février 2001, les élèves de l'école primaire publique sont exemptés de contributions annuelles. Autrement, l'école primaire est gratuite, ce qui explique en partie le taux de scolarisation très élevé au Cameroun, plus de 90% dans le segment de l'éducation de base. Et voici que défile sous nos yeux là, les enseignements secondaires. We quickly have moved to the secondary education section, and you should notice how fast they go through. You have to also understand that two schools have been selected from each subdivision, one public, one private. This is the Yaoundé 3 coming through, and for Yaoundé 3 you have GHSBMRC and Green Hills Academy High School. Their message is to fight against violent extremism. Et là également, David Ketem, chef de cellule de la communication au ministère de la Jeunesse, on ne s'éloigne pas de ce programme de réamorce avec donc cette lutte contre les fléaux sociaux, le patriotisme économique et j'en oublie. En effet, parce que le programme national d'éducation civique par le réamorce moral, civique et entrepreneurial en abrégé prenait que réamorce lutte effectivement contre les fléaux sociaux et d'autres fléaux qui minent d'ailleurs la jeunesse. En ce moment défilent les jeunes des établissements du secondaire. Je dois indiquer que ce programme a, depuis sa création, formé des grands formateurs dans différents secteurs, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de professionnel, le secteur privé, comme nous le mentionnons dans le cadre de ce défilé. Il y a deux établissements qui défilent dans chaque arrondissement, dont l'un représentant le public, l'autre, le privé. Et donc, le Pronec Réamorce est engagé aux côtés du chef de l'État, naturellement, à combattre tous ces fléaux qui minent la jeunesse. Mais cela doit se faire avec tous les Camerounais dans avec leur toute la communauté éducative. Je rappelle que le ministère des Enseignements secondaires, c'est un mastodonte qui compte 2844 établissements de l'ordre public et plus de 110 000 enseignants mobilisés. Et que dans la lutte, dans le cadre de la lutte contre les fléaux, il y a un programme d'installation des caméras de vidéosurveillance qui est en cours dans au moins déjà 60 établissements scolaires pilotes. I think in the next few moments we'll be moving to another section, the teachers training, the next module. But this is Yaoundé 7, and you have the sitting Corbison and the International Bilingual Academy Yaoundé Ibé. Let's allow them. The song they sing now looks different from the one those from the primary section brought. If we can give them a few seconds to be able to capture the message they're passing through. Les élèves du segment les enseignements secondaires qui devront après ce défilé très rapidement reprendre leur cahier, du moins pour ceux des classes d'examen, parce que très rapidement, dès lundi après-demain, on aura droit aux épreuves de filière baccalauréat, notamment FBT, STT, et dès le lundi 29 mai, le baccalauréat de l'enseignement général, et dès le mardi 30 mai, le DCO level et advanced level. Donc, très peu de répit pour ces élèves. As a matter of fact, we seem to have moved now to the next level, and here we have to do with vocational training. And the message of vocational training, we're talking about economic patriotism, and then we're sponsoring, they're talking about made in Cameroon products, which we should take seriously. Economic patriotism is a foundation, to say, of our national vision. That is a message we're getting with the vocational training section. Yes, Ben, and you know, due to the concept of impost substitution, that is
consuming Cameroonian, and this with the ministry and the government is trying to promote made in Cameroon products, which is what these vocational training institutions are trying to portray. And we know vocational institutions are institutions that are there for the vocational training of young Cameroonians. That is, Cameroonians learn different trades, and these trades will help them in order to produce what we can consume and consume what we produce in Cameroon. L'enseignement professionnel aussi, Benin, qui consacre un changement de paradigme, hein, avec le gouvernement qui appelle de plus en plus les parents et les élèves à ne plus à cultiver l'obsession des grandes écoles ou encore la fixation de la fonction publique. On peut désormais trouver son compte en étant un bon chaudronnier, un bon plombier, un bon staffeur, un bon carreleur. Et en ce moment, le gouvernement est en train de mettre en œuvre un outil, le PADES, le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi, doté de 75 milliards de francs CFA pour accélérer la transformation de l'enseignement professionnel. It's a bit different at this moment. The message looks different. Nous sommes les frères, we are brothers. That is the song I'm getting. Yes, that is a message for all Cameroonians. From north to south, from the east to west, we are all brothers. And that is what we're celebrating today, that unity of our country. Let's listen to them sing a bit. Nous sommes les frères, we are brothers, répétez inlassablement pour bien marquer cette culture du vivre ensemble. On a vu passer tout à l'heure également le segment agricole qui démontre, comme l'a dit et redit le président Paul Biya, que la terre ne trahit jamais. C'était dans son message à la nation du 10 février 2016. I think now we're moving to a section which is completely different, but we noticed that with the section that we're getting into, we're talking about higher education. The National Institute is coming in with, their ban. You know, it was carefully selected, or what is the choice of higher education coming in? And of course, we're getting the National Institute of Youth and Sport after those on wheelchairs, also showing the importance that the Ministry of Social Affairs is putting on those with disabilities. But now we fall on with the National Institute of Youth and Sports chanting the song, We are brothers, nous sommes les frères. Yes, the National Institute of Youth and Sports is leading the higher education institution, and they are coming up with their brass band. With the message of this of higher institution is patriotic engagement and sub-regional integration. That is what they are trying to portray. How do Cameroonians engage in nation building, in taking stands to defend their nation, as well as the sub-regional integration, integrating from the north to south, from east to west in Africa? How do we come together as one person to build the sub-region, which is Africa? Of course, at that level, now you start taking the matter, a bit seriously, because with higher education, you're moving past the level of excitement. You start looking forward towards nation building, but not only nation building. Sub-regional integration and the entire building of the region. And this is what is being portrayed with this beautiful parade stage for us at this moment by students of the National Institute of Youth and Sports. Une des attractions de ce défilé module d'enseignement supérieur, Benin, ce sont les fanfares, mais aussi les majorettes. On en verra de toutes les couleurs, sous toutes les coutures, avec des figures, des figurines et beaucoup de créativité. Peut-être allons-nous envisager à l'avenir, pourquoi pas, une compétition entre majorettes, entre fanfares de ces établissements de l'enseignement secondaire. Just like during the university games, you have this competition between fan clubs. Surely there's going to be a competition for majorettes. Alors, l'enseignement supérieur avec 11 universités d'État, on peut le dire sans embâche, c'est l'une des grandes réussites du renouveau en 40 ans. Université d'État. Université dans chaque région du Cameroun. Ce n'est pas du tout donné dans tous les autres pays africains. On est loin, loin, loin de l'époque où tous les Camerounais devaient partir de leur village respectif pour venir à la seule université de Yaoundé. Désormais, partout dans toutes les 10 régions du Cameroun, on a une université d'État. So you cannot say that you couldn't go to the university because it was a bit far from where you live. There is a university closest to you, so you can always get through to the university. And I think at this moment we have the University of
Yaoundé One that will be coming in with their band, and of course the majorettes. Emirobe talked about it a while ago. They have gone to very natural items, as we're going to see in the next few minutes. So for now, we are moving with, of course, the higher education section. Oui, nous, c'est évidemment l'université de Yaoundé 1, mais on a vu passer tout à l'heure l'école nationale d'administration et de magistrature avec, je l'ai bien noté, le port du brassard, un peu pour rappeler leur statut d'officier de réserve, parce que faut-il le rappeler, le régime des études à l'ENAM commence par une préparation militaire supérieure. Et en ce moment, les majorettes, on parlait tout à l'heure de la créativité des majorettes, celle de l'université de Yaoundé 1, ont innové avec une tenue en obo, qui est, on va dire, quelque chose de très traditionnel qui relève de notre patrimoine. Probably when we talked about the different cultural zones, you would have seen that a lot when we had to do with the Fang meeting. We're talking about this section, we're talking about leadership and learning, which are indispensable to each other for this section and this module of the March Pass. Yes, this is higher education, and at higher education level, students learn leadership qualities, leadership skills, how to build, because from here they are going to become leaders of tomorrow's Cameroon, and they have to learn these skills so that when they are in these leadership positions, they are going to exhibit them, and they are seeing it, because this year the particularity of the Ministry of Youth Affairs is that all institutions of learning are going to sing patriotic songs, and the patriotic songs are there to remind them of those values of leadership, of service that they have to render to their community. I'll allow you to listen to them in a few minutes after the band goes through. You hear them sing it loud. It's still one of the same songs. Nous sommes les frères. Oui, nous sommes des frères. Lui apporte. C'est un choix du ministère de la Jeunesse, du ministère des Enseignements supérieurs pour appuyer cette vision du vivre ensemble. En effet, parce que, comme vous l'avez constaté, à des endroits, il y a des reprises identitaires que nous avons observées ça et là. Alors, à l'occasion de la célébration de la fête nationale, la fête de l'unité, d'ailleurs, ça a tout son sens. Voilà pourquoi il faut, à travers ces chants patriotiques, rappeler aux jeunes Camerounais, rappeler à l'ensemble des Camerounais que nous restons frères, nous sommes tous Camerounais, d'où le sens de l'intégration nationale partout où nous nous trouvons. Mais maintenant, je voudrais quand même, Aimé Robert, indiquer que dans le module enseignement supérieur, l'une des innovations majeures de ce défilé civil réside en l'exécution des chants patriotiques par le module enseignement supérieur. Par le passé, ce n'était pas le cas, mais à partir de cette année, au niveau du comité national d'organisation des manifestations civiles, il a été décidé que tout le monde, sans exception, exécute les chants patriotiques, parce que ces chants patriotiques ont la possibilité de réarmer moralement tout ce qui les exécute, et donc la jeunesse. Effectivement. We'll definitely leave this place, Emir Robert, singing, nous sommes les frères, all of us, because of course we are brothers. And here you go with the ILIAI, the Computer Institute, with the great work that has been going on in the rural areas. L'IAI présent dans 11 États, 11 États en Afrique, et qui, vous le savez, vous le voyez certainement quasiment chaque semaine dans nos journaux télévisés, l'IAI offre des formations diplômantes, mais aussi des formations continues avec un programme phare, le programme MIGEP, qui a déjà formé jusqu'à 680 000 personnes dans les 34 centres IAI dispatchés sur l'ensemble du territoire national. But then, there have also been several programs. The President of the Republic called on the youth to use the internet in a very appropriate manner so as to avoid misuse that has caused a lot of problems. And I think this falls within the parameters of the call from the President of the Republic. Now that the students have gone past, we can still also see this beautiful move by students of Siantou University Complex that will be introducing us to meet the
I should say, les partis politiques. Les partis politiques. Et ici, on va paraphraser Platon qui dit, en disant que nul ne défile ici s'il n'est représenté au Parlement, parce qu'effectivement, seuls les partis politiques représentés au Parlement ont été autorisés à défiler ici au boulevard du 20 mai. Mm-hmm. Il y en a donc 9 que nous allons voir passer. En ce moment, c'est le Fonds pour le Salut National du Cameroun, le FSNC, qui compte donc, faut-il le rappeler, 3 députés à l'Assemblée nationale, 3 communes, 1 sénateur et 2 conseillers régionaux. That is the Cameroon National Salvation Front Party. Of course, you know that they have one senator among the 100 appointed by the presidential decree, and then they have 3 members of parliament. This growth so far by the Cameroon National Salvation Front Party. And if you follow, Par le MDR, le mouvement pour la défense de la République, c'est le premier défilé post-Dakolé Daïsala, de regretté mémoire, fondateur de ce parti. Le MDR, c'est 3 communes, 2 députés à l'Assemblée nationale et 1 sénateur. That's the Cameroon Party for Cameroon Democratic Movement for the Defense of the Republic, MDR, with one senator, Pauline Jarway. They come in, and then you have showers of blessings dropping at the same time that we are having PCRN, that is PCRN is a Cameroon Party for National Reconciliation. Le Parti pour la Réconciliation Nationale, 7 communes, 5 députés à l'Assemblée Nationale. Le PCRN qui passe donc sous vos yeux, sous les applaudissements de la première dame Chantal Biya, qui célèbre donc ainsi le président de la République également, qui applaudit. Et alors qu'une pluie s'est déjà invitée ici au boulevard du 20 mai, ces partis politiques défilent donc sous la pluie. Et on a coutume de le dire, la pluie c'est signe de bénédiction. Et c'est au tour de l'ANDP de passer devant le président de la République et la première dame. L'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Une sénatrice à la Chambre haute du Parlement, l'ANDP. Marlise Louise, the senator, the National Alliance for Democracy and Progress. They have one square and then they are going through. The political parties both seem not to have a particular message, like we saw with the higher education institute or the secondary or primary. Was there a choice or it was left for them to come with their messages? Yes, we know that selection of the political parties is done by the divisional officer of Fundi. So the choice of whatever they sing or how they march depends on the divisional officer. However, they are marching under the banner of democracy and decentralization. We know they are political parties, and the majority of political parties work on the principle of democracy and decentralization. We know with the recent movement of decentralization in our country, this is what the political parties are trying to portray. La décentralisation constitue effectivement le sous-thème de ce passage des partis politiques, une décentralisation en marche accélérée au Cameroun en ce moment après les élections régionales du 6 décembre 2020 et l'élection des premiers présidents de conseils régionaux qui sont donc à l'œuvre dans nos 10 régions respectives. L'UDC qui arrache les applaudissements de la première dame, l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, c'est 6 communes, 4 députés à l'Assemblée nationale et 17 conseillers régionaux. Just like MDR, they are coming, the Cameroon Democratic Union, they are coming founded by Adamu Damjoya of blessed memory. But however, those who are remaining in the party are also very vocal and are bringing a lot of contribution to the development of the party, which also is bringing a quite great, as far as the democracy of the country is concerned, with talking about UDC. And just behind them, you have the UPC party. And I was just, indicating a mirror there, that you have one senator from the southwest. Absolument, l'Union des populations du Cameroun, l'âme immortelle du peuple camerounais, le parti de Oumiobé, Ossende Afana, Félix Roland Moumier, Wougli Massaga et bien d'autres
compte donc seulement un sénateur nommé par le président de la République. L'UPC englué dans sa guerre des secrétaires généraux. On souhaite à ce parti politique de retrouver son ancrage historique d'antan pour faire vivre le nationalisme camerounais. On parlait donc de la décentralisation qui sous-tend ce passage des partis politiques, la décentralisation qui a déjà connu 7 décrets présidentiels de transfert des compétences aux régions sur une vingtaine attendues. Et pendant que reste également attendu dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la loi sur la fiscalité locale et le décret présidentiel sur la fonction publique locale. In the meantime, we have the SDF party that is marching past before you now, before the main tribune right now. The SDF, they have the 26th, you know, in just 6 days, they will be celebrating their 33rd anniversary. Most likely time for the SDF party to be able to look back at the distance covered and what the situation is right now. They are marching traditionally in Mirobe with their fist raised up. You know, whenever they have this fist raised up, the message they're passing is power to the people and equal opportunity. The SDF, which has experienced quite some difficult moments, they have been through some hot waters with the political situations in the party, hoping that with the 26th and the 33rd anniversary, is going to give SDF a rebound. Le Social Democratic Front, ce n'est plus que 4 communes, 5 députés à l'Assemblée nationale et un sénateur. On est loin, bien loin de SDF des années 90, lorsqu'il avait quasiment plus d'une quarantaine de députés, plus d'une soixantaine de communes. Il y a du travail pour opérer, pour inciter une remontada du côté du Social Democratic Front. And now the National Union for Democracy and Progress, UNDP party, they are going to have 2 squares over here. And of course, during the senatorial elections, they come out with 1 senator, that is Flambo Ngaya, for a UNDP, a tough war that is staged against other political parties, especially in the Adamawa region. Well, they were not too successful during the senatorials, but it was a tough war to stage there. Et on le dit pas toujours suffisamment, Benin, l'UNDP, c'est la deuxième force politique du Cameroun, parce que l'UNDP, c'est 16 communes, 7 députés à l'Assemblée nationale, 80 conseillers régionaux et un sénateur. Et au demeurant, pendant les élections régionales, l'UNDP a pu décrocher la région de l'Adamawa. C'est donc la seule région qui n'est pas contrôlée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc l'UNDP est bel et bien la deuxième force politique du Cameroun, deuxième derrière évidemment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Talking about the CPDM party, here they come. The CPDM party, and in a way it was organized in this march past, the CPDM party in a very organized political party, we should say, in Cameroon, because in every section or subsection of the country, you will have the CPDM party quite organized. And in this march past, you would notice that there isn't a mixture. It is quite distinguished. Those who were born earlier, they are marching in front, and those who were born later are coming in. So if you look at them very well, those who were born in the 80s and then those who were born in the 70s looks very much in an organized fashion to say that the party is structured in a way, and that is the reason, I should say, why the CPDM party to me is always ready to get the victories every time there is an election. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui domine de la tête et des épaules le landerneau politique camerounais, alors que on va voir dans un instant un des invariants de ce défilé, le ministre Edouard Rona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui, selon mes informations, défile ainsi, passe ainsi devant le chef de l'État depuis le 20 mai 1993, soit 20 ans déjà, qu'il exécute exactement la même figure, cette allégeance au président national du RDPC depuis... Quite. 20 ans donc que défile ainsi le ministre Grégoire Owona. Depuis 30 ans. Very tenacious, I should say, Grégoire Owona. He's been doing this
for the past 30 years every time there is match first here at the 20th May Boulevard. You will see him marching in front. What tenacity, quite militant in his everything, in his commitment, and in his decision to serve the party. Quickly, about in the organization of all of this. Le RDPC, pour que nous soyons complets, c'est 316 communes, 152 députés à l'Assemblée nationale, 94 sénateurs et 601 conseillers régionaux. C'est dans le parti politique qui domine largement la scène politique camerounaise. Nous sommes nés en 1982. So it's kind of structured. The earlier, the younger generation, the march past first, and those who have been there way back in the 70s, they march past, so they come behind. The question I wanted to ask is, how was this organized, you know, during the preparatory phase of it all? Yes, as I said earlier, Benin, the organization of political parties is done by the divisional officer of Fundi. So the Minister of Youth Affairs and Civic Education has little or no engagement in the organization of political parties. So the divisional officer organizes the parties, and the CPDM has its internal organization. As we know, it's a very well-structured party, and that's why we could see them structuring their march past from different ages, from the young to the old. So we see the old guiding the young people and guiding them their way forward. Et il y a une saine concurrence, hein, Benin, dans le Mfundi, parce que sur les sept sections du Mfundi, on voit passer, dérouler le RDPC, les hommes, l'OFRDPC, les femmes, et l'OGRDPC, les jeunes, d'où cette foule militante, cette marée militante qui n'en finit pas de passer, de repasser sous nos yeux. Le RDPC, dont les militants commencent de plus en plus à appeler le président Biya à être candidat à la présidentielle de 2025. Alors, le président Paul Biya va-t-il répondre favorablement à ces appels? Je vais dire wait and see, Benin. Of course, but the way they are marching and in the rain came unannounced. Well, of course, you had looked at the sky and you would notice that there was going to be rainfall. But the rain coming unannounced, they seem not moved. In the rain, in the sun, come rain, come sun, like they say it, they are going to stand for the CPDM party. That is a demonstration that we are seeing, and they are getting applause from the President of the Republic and his wife, Madame Chantal Biya. And then we also noticed that, Emir Robert, that the council is kind of are taking a leadership in most of the squares that march going through along the 20th May Boulevard. Most of those at the head are, you know, council officials or the mayors themselves, to say how involved the councils are right at that level of this march past of the party. They've come out in their great number. The last time we've seen the CPDM party strong was during the senatorial elections, that they swept everything, and then we all said 96 sénateurs estampillés RDPC sur 100 au Sénat. Il a fallu que le chef de l'État nomme 6 sénateurs pour que le Sénat soit, pour ainsi dire, coloré par quelques partis d'opposition. Autrement, on aurait eu un Sénat 100% RDPC. Well, the President of the Republic appointed 4 other persons, so 96, like Emir Robert says it. They have 96 seats in the Senate. And then, of course, they keep singing the famous song that they sing every time in such a march past, and receiving plenty of applause from the President of the Republic. Le RDPC qui continue donc de dérouler, c'est le 9e parti politique qui défile ici ce matin au boulevard du 20 mai. Et je voulais rappeler qu'au Cameroun, on compte jusqu'à 330 partis politiques légalisés. 330 partis politiques légalisés au Cameroun, mais seuls 10 partis politiques sont présents dans les conseils municipaux. Seulement 8 partis politiques sont présents à l'Assemblée nationale. Il n'y a que 7 partis politiques au Sénat et seulement 4 partis politiques dans les conseils régionaux. Parce que certains partis politiques auraient bien voulu défiler ce matin, mais ils n'ont pas pu respecter cette clause de la représentation à l'Assemblée nationale. Et il y a au demeurant un parti politique qui nourrit des regrets, qui a été très présent
sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, qui nourrit des regrets et qui est en train de revenir dans un jeu institutionnel, qui aurait bien voulu défiler ce matin, mais malheureusement, ce parti politique n'a aucun élu et n'était donc pas éligible pour pouvoir défiler au boulevard du 20 mai. This is the youth wing of the party. They are a bit different from the others that have passed. They have white trousers and their CPDM fabric sewn into shirts and other designs, marching past in front of the President of the Republic, the youth wing of the CPDM party in the center region. Of course, plenty of excitement, plenty of enthusiasm in their march past today. This very well, like you all know it and you all understand, this is the future of the CPDM party. So in the next few hours, in the next few years, or in the next many years, these are those who are going to be leading issues in the CPDM party. The white CPDM party, together with Paul Biya, creative and inventive, for a daring, creative and inventive Cameroonian youth. Et on voit une interaction entre le président national du RDPC, le président Paul Biya, et la première dame Chantal Biya, présidente d'honneur de l'OFRDPC. On voit une interaction entre le chef de l'État et son parti politique, le RDPC, un parti politique discipliné et qui constitue une véritable machine électorale qui s'est déployée pour remporter, aller de victoire en victoire, la dernière en date étant dans ces élections sénatoriales du 12 mars dernier. Et avant, il y a eu ces présidentielles du 7 octobre 2018 où le RDPC, les militants du RDPC et même d'autres Camerounais ont élu le président Paul Biya à 71,28%. Et depuis lors, le RDPC a continué de gagner toutes les élections. Je pense au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 et évidemment aux élections régionales du 6 décembre 2020. C'est donc le parti ultra majoritaire de la scène politique camerounaise. We need to watch this section. These are still youths of the party, but now they are leading the fight against the misuse of the social media. The President of the Republic, in his discourse to the youths, told them and called on them to use the social media for great benefits and not to use the social media to deviate the attention of the Cameroonian youths. And I think that is one of the things that we are seeing in your program, Pronek Riamos, Saibot. Yes, man, the National Civic Education Program, to Moral Civic and Entrepreneurial Rearmament, works on that because the President of Cameroon noticed the fall of moral values of Cameroonians, and he declined that and called on churches, mosques, to preach morals. And that is what this program is trying to do, rebuilding the morals and civic values of Cameroonians, because we have lost these morals. And the National Education Program works in different ways. There have been training of project actors, there has been training of trainers from religious bodies, there have been training of female mobile civic educators, there have been training of remote trainers from universities and higher institutions of learning. So this is how the Ministry of Youth Affairs and Civic Education seems to deploy this program to the field, touching the different factions of the Cameroonian population, from the universities to the churches to the women's group to the trade unions. We talked about how organized the party is organized in Mirobe. We've had the youth go by. Now you have the women coming in.
survient après, puisque cette accusation de viol piétinait, il y a eu l'accusation pour diffamation. Donc, on se rend compte après en allant. Ma question de piège ou d'élément qui était placé devant lui pour le rendre inéligible. Donc, c'est cette. Vous avez besoin des partis politiques dans cette œuvre commune de mobilisation contre les fléaux qui minent notre vivre ensemble. En effet, vous savez, lorsqu'on a lu cette banderole qui venait de passer à l'antenne, alors on retient que le détournement des fonds publics, c'est un acte incivique. Étant entendu comme tel, le programme national d'éducation civique par le réellement moral civique et entrepreneurial concerne toutes les couches de la société, et donc, y compris les militants des partis politiques. Ce sont également nos cibles parce que auprès d'eux, nous envoyons des agents de sensibilisation, des EMAPU, notamment les équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale pour la sensibilisation de proximité. Et pour parler par exemple de la junte féminine, en mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le MIGEC a organisé une session de formation sur l'ensemble du territoire national destinée aux médiatrices communautaires. Elles avaient pour rôle d'encadrer leurs concerts pendant la Journée internationale de la femme, mais également après, et donc par exemple dans le cadre de ce défilé. I think that we are done with the political parties. That was the last square marching pass. We definitely will have the last module, I think. Aimé Robert, if they are going to come. Last but not the least, comme vous le dites si bien. Of course, we should have supervisors of the civilian march pass, but no, I think that part of it has been suspended. We've come to the end of the civilian march pass, and you're noticing that the adjustments, it is taking quite some readjustments over here, because now the President of the Republic would have to move, and then we'll get back to Ibrahim Chérif. Nous allons céder nos sièges à Ibrahim Chérif, à Ben Meno Poufon, pour la conclusion de cette bête parade des civils et militaires. Merci à vous, Aimé Robert Bihina et Benen Bouma Ghana. Tout est bien, qui finit bien ici au boulevard du 20 mai. Le président de la République, satisfait d'avoir vu les troupes des forces armées, des forces de défense et de sécurité défiler, satisfait d'avoir vu la société civile, d'avoir vu les représentants de la population défiler ici au boulevard du 20 mai à l'occasion du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire du Cameroun. C'est un homme certainement comblé qui va quitter le boulevard du 20 mai pour regagner le palais de l'unité. Le chef de l'État et son épouse, ainsi que tout le corps, les corps constitués nationaux, ainsi que les corps diplomatiques présents à la tribune officielle, vont devoir quitter le boulevard du 20 mai pour, si j'ose dire, la suite des festivités, parce que tout cela n'est pas fini véritablement. À partir de 16h, les portes du palais de l'unité vont s'ouvrir pour accueillir, on va dire, la population camerounaise invitée par le chef de l'État pour la suite de la fête, donc en réalité la soirée de gala au palais de l'unité, le gala de l'unité. Ben Poufon. Yes, Ibrahim Chérif, it is all over here at the May 20 boulevard. This military parade and the civilian march pass started well, ended well, but concluding with an uninvited guest, I dare say a VIP uninvited guest, the reins that we were saying, announcing about midday today,
saying that Yaoundé is becoming capricious with its weather, and so it came down on this civilian part of the march pass as showers of blessing. And so it's over, and it's that departure with the Boha and his wife, who will have to follow the parade back to the Unity Palace. Well, they will be expecting to have the guests invited at the Unity Palace for today for the traditional 20th May banquet, to which all of the topmost dignitaries, diplomatic and national, have been conveyed as from 6 p.m. today. But the gates of the Unity Palace will be flung open at 4 p.m. for those invited to the Unity Palace for that national, for that state. Au chef de la délégation égyptienne, vous connaissez les relations amicales qui existent entre le Cameroun et la République arabe d'Égypte. Alors tout est bien qui finit bien, comme on l'a dit ici au boulevard du 20 mai. Le chef de l'État va bientôt quitter le boulevard du 20 mai pour regagner le palais de l'unité. Colonel Atonfak, l'armée, les forces de défense et de sécurité ont défilé ici au boulevard du 20 mai. Le président de la République, lorsqu'on le voit partir, a l'air véritablement satisfait de ce qui a été fait. Et qu'est-ce qu'on tire comme leçon de tout cela aujourd'hui? Mais le premier constat qu'on peut dégager de cette 51e célébration de l'État unitaire, c'est de pouvoir dire, affirmer et réaffirmer qu'on voit un peuple réconcilié avec lui-même. On voit un peuple réconcilié avec son armée, avec sa police, sa gendarmerie, sa douane, son administration pénitentiaire. On voit des forces de défense et de sécurité en symbiose avec la nation. Il n'y a pas plus beau message à passer à nos populations. Il n'y a pas message plus rassurant. On voit des forces de défense et de sécurité galvanisées. Elles l'étaient déjà. Elles n'ont pas été galvanisées au boulevard. Elles étaient déjà en arrivant. Et elles étaient à la quête de la quiétude qu'elles allaient donner aux spectateurs et aux spectateurs. Et évidemment, elles sont en quête de l'amélioration, elles sont en quête de modernité, elles sont en quête de progrès. Il n'y en a jamais assez. On peut être particulièrement content de cette belle démonstration de professionnalisme. En fait, le message que les forces de défense et de sécurité sont venues passer ici au peuple camerounais et aux invités spéciaux du chef de l'État, c'est de dire qu'elles sont là, qu'elles sont prêtes, qu'elles exécutent avec professionnalisme leur mission et qu'elles mettront tout en œuvre pour n'exécuter que leur mission, de façon à pouvoir rassurer entièrement le peuple camerounais, rassurer nos partenaires et nos voisins de ce que le Cameroun est un État moderne, un État républicain, un État qui tient debout, un État qui respecte l'ensemble de ses engagements. Avec une armée républicaine. Une armée républicaine et qui rassure. Absolument. Lieutenant Emmanuel, Tata, tell me, it is all over here. The troops are already going back to the barracks. After a day like this, what follows? After a day like this, we used to have a common meal offered by the head of state and commander in chief of the armed forces in all the different corps. Because moving from the 20th May Bolivar, we'll be moving to the headquarters brigade, where there will be a common meal with our guests. Our guests, that's the Egyptian detachment. So it's just to give a conclusion of this historical event. And permit me bow out to say, by drawing inspiration from the carousel or the merry-go-round, which has a very important message to drive to the Cameroonian Defense Forces and the population in general, that we need to build a nation and a prosperous economy for a country which is proud, free, and united in its diversity. We also need to be custodians of our historical, cultural, and linguistic identity. I think with that, if we are united, we can go fast and far. And that is a big reassurance there from coming from you, a man in arms especially. It is reassuring for the Cameroonian people as well to know that the military is up and kicking and to know that they are in symbiosis with the ones who are in charge of the defense of the people, defense of property, but also of the defense of Cameroon's territorial integrity. Alors que le chef de l'État fait chemin vers le palais de l'unité et que les autres membres des corps
constitués nationaux et des corps diplomatiques s'apprêtent à quitter les uns après les autres le boulevard du 20 mai. C'est dans quelques instants porte close ici. And that is the presidential motorcade now heading back to the Unity Palace. The Unity Palace that they should be joined, we should be getting there in about 10-15 minutes to crown it all with the national anthem here by the military band. So all is well, that ends well. Ibrahim Chérif, what dare to say it is well while it started. Medjo et Achou Nienti du côté de l'esplanade du Palais de l'Unité. Pour la suite de ce commentaire en direct, Yves-Marc Medjo, Achou Nienti, si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Civil and march pass on a colorful and disciplined military parade. We all witness the enthusiasm among Cameroonians, a mammoth crowd, even for those who are not very close to the theater of operations, all of them determined to watch how the celebrations of national unity unfold here in Yaoundé. And so, President Paul Biya and Madame Chantal Biya are on their way back to the Unity Palace. Just to say that all is well that ends well as far as the 20th May Boulevard is concerned. But we are on our way. Here we are at the simplified flyover. We are driving close. Getting close to the Tadex petrol station here on Nouvelle Route Bastos. Et ce sera sans doute l'une des curiosités. Nos téléspectateurs sont d'ailleurs en train de le vivre avec nous. On a vu tout à l'heure une fine pluie qui est venue mettre donc le point final à cette célébration de la 51e édition de la Fête nationale. Mais ici, et vous voyez à travers cette forte présence devant cette essencerie, au lieu dit Tradex Nouvelle Route Bastos, eh bien, ici, le temps est plutôt doux. Le temps est particulièrement clément. C'est l'une des curiosités de cette fête nationale. C'est aussi cela, le Cameroun, riche de toute sa diversité au moment où nous entrons à nouveau dans l'un des laboratoires du vivre ensemble. Le quartier, la commune de Yaoundé, deuxième, avec les populations des quartiers Tchinga, le peuple Tchinga, les populations du quartier Briqueterie et les populations du quartier Bankolo. Bankolo neighborhood, Yves-Marc Medjo. That is to show you the joy that is rending the air. I must say that we watch. Et je n'oublie pas le quartier Mokolo. Voilà. That is l'un des véritables laboratoires du vivre ensemble dans notre pays. Yes, of course. It's a diverse group of people. Mokolo is like a melting pot of cultures. Mokolo and of course the neighboring neighborhood. If I can use that expression, that is Briqueterie. There are very cosmopolitan neighborhoods here in the city of Yaoundé. As we are getting close to Carrefour Tchinga, on our way to the 20 May Boulevard, there was a large crowd, about close to 500 supporters of the CPDM. Ils n'ont pas bougé. They have not gone away. They are still here. We can see them. This is Carrefour Tchinga. On a l'impression d'ailleurs que les rangs ont pris du volume. Definitely. We are driving past them. They are all clapping. They haven't gone away. They have been here since. Et vous voyez avec quelle joie ils acclament le président de la République au passage du cortège présidentiel. C'est des clichés particulièrement plaisants en cette journée du 20 mai 2023. Une journée qui a renvoyé des tableaux flatteurs qui témoignent du courage, du professionnalisme et de la grandeur de notre armée, mais également du sens élevé du patriotisme des Camerounais. Eh bien, c'était le vœu à l'entame de cette célébration. Que les sirènes de la cohésion, que les sirènes de l'unité s'élèvent plus haut que celles de la division, que celles de la désunion. On peut dire à Chouyati que cela
a été le cas aujourd'hui. Les Camerounais voulaient voir leur président de la République. Ils l'ont vu d'un bout à l'autre. La parade, pendant la parade militaire et la parade civile, on a vu un Paul Biya rassurant et rassuré. We have now gone, driven past the foot of Palais de Congrès at the conference center. Yves Marc Major, it was also the vitality of the living forces of Cameroon. From what we saw that the forces that unite us are stronger and more determined than the superimposed forces that seem to divide us. That is a clear message that we brought back from the 20th May Boulevard, and definitely is a similar message from what we have been able to monitor across the country, a similar message which depicts the desire of Cameroonians to demonstrate their unity, their oneness, in spite of all their challenges, which are merely a flash in the pan. Alors, je parlais d'un Paul Biya rassurant et rassuré, rassurant par sa mine enjouée. Tout le monde a pu le voir d'un bout à l'autre du défilé. Et rassuré quant aux capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Rassuré également, nous le pensons, le président Biya l'a été en observant la dynamique unitaire qui reste majoritaire dans notre pays. On a vu les troupes de formations politiques d'opposition du parti au pouvoir, mais également de l'opposition qui ont défilé sous une pluie battante. Definitely, Yves Marc Major, you did well to underscore that point because we are talking about national unity. It is a feast for all Cameroonians, all political leanings, political ideas, political thoughts, irrespective of your political party. When it comes to national unity, all our individual differences melt away and give way to the dynamism, to at least the bigger picture of national unity, and that is what Cameroonians have demonstrated today, like they have done in the last 51 years, and they continue to do so. We must say that the Feast of National Unity is always an opportunity to bring Cameroonians together, for us to walk again down memory lane, to see our common heritage, what we have been able to achieve as a people, what is still need to be achieved, what we still have to do, you know, to make it even better. You know, nation building is not a destination, it is a process, and of course, we seek to perfect it every day, even though we might never attain perfection, but at least to make it better, to bring better services to the Cameroonian people. Et comment ne pas dire un mot sur la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qu'on a vue également, très présente, discrète, il est vrai, mais très présente aux côtés de son époux. Et on voit déjà défiler sur la toile des images de toute l'affection qu'elle porte à son illustre époux. Je crois que ça participe des clichés inoubliables de cette célébration. Of course. Madame Chantal Biya qui va regagner le palais tout à l'heure pour préparer la réception qui sera offerte par le couple présidentiel à près de 7000 plus 5000, à près de 12000 convives qui sont attendus donc ici dès 16h45 pour le bouquet final, la réception au Palais de l'Unité, le banquet républicain. Eh bien, nous sommes déjà à l'esplanade du Palais de l'Unité. Eh bien, la foule des militants, hein, des groupes d'animation disposés ici, eh bien, à redoubler d'entrain, hein, parce que dans quelques minutes, comme ils l'ont vu partir ces populations, ils verront rentrer le président de la République, Paul Biya, dont le cortège ne va pas tarder à nous rejoindre ici à l'esplanade principale du palais présidentiel. C'est une atmosphère de grande fraternité, comme nous le disions au départ. Eh bien, c'est une journée qui donne à voir des clichés très rassurants sur ce pays contre lequel il ne faut jamais décidément parier. This is the final bus stop, Yves Marc Major, ladies and gentlemen. As you can see, the presidential motorcade
driving very fast there, already getting very close to the giant gates of Unity Palace. As we can see, the population that had massed out here since morning, they didn't go away, they stayed back here to acclaim the first couple as they are now driving back after the very wonderful celebrations of the Feast of National Unity. Voilà le cortège présidentiel dans toute sa beauté, dans toute sa solennité, qui est tiré par 26 motocyclettes de l'escadron moto de la garde présidentielle. Et c'est dans un beurre rafraîchissant de ferveur qu'on va donc, on voit entrer le président Biya et la première dame du retour de cette belle communion. Voilà, on a choisi de vous faire vivre ça en plein son. Ces derniers clichés de ce cortège qui s'étire sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. On peut considérer que la première partie de cette journée va donc se refermer. Elle est donc refermée avec la fin de la parade militaire et civile au boulevard du 20 mai. Et le retour du couple présidentiel au palais de l'Unité. Eh bien, nous allons retourner l'antenne au boulevard du 20 mai. Et nous allons nous retrouver ici pour un direct de près de 3 heures avec nos téléspectateurs pour leur faire vivre donc ce banquet républicain qui va donc s'ouvrir dans les coups de 18 heures. Mais dès 17 heures déjà, nous serons à l'antenne pour voir arriver les 12 000 invités du couple présidentiel. That is it. Definitely all is well, that ends well. That is all we can say. As we wrap up things here at the Esplanade of the Unity Palace, President and Madame Chantal Biya have already gone in and they are heading now to their private quarters. So we'll come back here later in the afternoon during the reception, which will be offered to some more than 5,000 guests who have been invited. You can see them in their joy. Voilà, je crois que tout est définitivement dit. On va donc vous redonner cette antenne et vous retrouver tout à l'heure pour la suite.